Salut les petits amis, salut, salut, du 21e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule, collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur, mais son vrai nom c'est Marc, le boulet du gamer. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux balles bitales. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie. Level 1, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche. Qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, avec une tête de clown et les moyens du bord. De ta vieille Super NES au dernier Mario Kart, il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. C'est des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, the first and last of us, lui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. Marcus, Marcus, the first and last of us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. L'Atari et au danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus, the first and last of us, 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 Marcus, Marcus. Ah bon, c'est fini. Salut les petits amis, bienvenue à la maison. Un mercredi soir, incroyable. Je vois que vous êtes là, c'est cool. Ça a marché. Super, content de vous retrouver les amis. Salut mon Snekou, salut Goldoraf, salut Kira, salut Sebmaster, salut Citizen Sly, salut ma Alex Kawaii, le petit Florusso à vélo. Encore, ça va venir. Rémi Plombier, bonne soirée. Et bonne soirée à mon petit Bernard le Viking aussi. Mon gamer digital, ben voilà, tout le monde est là, c'est tout simple. Il suffisait de décaler la date et voilà, ça marche. Merci d'être là, merci, désolé d'avoir dû chambouler un petit peu l'emploi du temps par rapport à d'habitude. Pour tout vous dire, c'est l'anniversaire de ma petite femme demain et du coup, je lui consacre ma journée en entier. Donc, c'était un peu compliqué de streamer dans la foulée. Je vais prendre soin d'elle. Pour une fois, ça changera parce que je suis tout le temps avec vous. Et finalement, ben voilà, il faut que je célèbre dignement cet anniversaire. Donc voilà, demain ce sera le bonheur. Et du coup, ce soir, bah, plutôt que se priver de bonheur avec vous demain soir, je me suis dit, on va décaler un petit peu. Ce sera cool. Oui, merci. Ah bah, j'y transmettrai vos messages d'anniversaire. C'est gentil, les amis. J'ai pas compris le principe du changement d'heure. Tout à fait, à Bernard le Viking. Il y a un décalage horaire, mais d'un jour avec moi. C'est comme ça que ça se passe. Ah bah, content de vous retrouver. Je vois Penny Elfman, voilà, qui est là. Je vois Jedi. Ah, Jedi. Très bien. Ah oui, voilà. Je vois tout de suite des bons pseudos. Donc, il faut que je vous explique. Donc, ce soir, comme d'habitude, le meilleur pseudo remportera le gobelet de la victoire. J'ai refait le plein à Paris Games Week, donc j'en ai profité. Et la meilleure vanne, je ne l'ai pas là, parce que je l'ai laissé à Game One pour pouvoir vous le renvoyer la semaine prochaine. Mais vous pouvez le voir sur Twitter. C'est carrément le coffret collector de Sifu.
Excellent jeu, vraiment excellent jeu. Avec une figurine collector, des artworks et tout. Vraiment un super beau truc, vraiment génial. J'ai mis ça sur Twitter, vous pouvez aller voir sur ma page Twitter. J'ai pris une photo, je me suis dit c'est stupide, j'ai reçu à Game One et du coup je me suis dit ce serait stupide de le ramener à la maison pour juste vous le faire voir et puis le ramener en plus la semaine prochaine à Game One pour l'envoyer. Donc je l'ai mis dans un coin sécurisé à Game One et ça sera envoyé mercredi prochain à l'auteur de la meilleure vanne de la soirée. Donc super truc, je vous invite à aller voir sur ma page Twitter, sur mon compte Twitter, sur mon Twitter, mon tweet, la petite photo, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment top. Donc voilà pour les cadeaux du soir. Salut Ikito, j'aime bien les nouveaux pseudos. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, faites-moi un petit coucou, que je vois votre tête, que je vois votre pseudo, et que je puisse le récompenser éventuellement. Désolé, ce soir, je peux pas rester. Yodamour d'Avalcon ne peut pas rester. Ah oui, c'est peut-être pas pratique pour tout le monde le mercredi soir. Je suis désolé, c'est assez exceptionnel. Hein. Ça reviendra à la normale dès la semaine prochaine, donc il n'y a pas de souci. Simplement, voilà, là, ça m'arrangeait. Puis j'avais fait un petit sondage, visiblement, à 90%. Ça vous arrangeait, même pour certains, qu'on fasse ça le mercredi soir. Du coup, voilà, je me suis dit, allons-y. Et puis déjà... innocemment, je m'étais dit, alors, puis il y aura pas Squeezie en face, c'est bon, pas que ce soit en concurrence, mais et je viens de jeter un œil, il faut une soirée Warzone et ils sont 26 000. Je trouve hallucinant, c'est des chiffres hallucinants. Donc voilà, mais bon, il y a de la place pour tout le monde, donc c'est bien. Tout à fait, il est très bien ce pseudo. Merci pour l'abonnement. Et donc voilà le premier nominé. Le dindin est normalement avec nous ce soir pour veiller sur vous. J'ai pas encore vu mon dindin, mais j'imagine bien qu'il est dans le coin. Donc tout à fait, tu vas être tout à fait nominé pour le meilleur pseudo. Dimitri, je vois plein de petits pseudos. J'ai le meilleur pâtissier en face. Ah, alors là, c'est vrai qu'elle peut pas lutter contre la gourmandise. Qui vous allez voir Squeezie plutôt que notre bon? Ah, oh, bah allez! Les vieux sont avec moi, les jeunes sont avec Squeezie. Qu'est-ce que vous voulez que... Il vieillira aussi, hein, vous savez, ça arrivera aussi. Je souhaite, en tout cas. C'est pas méchamment, hein, c'est bien s'il vieillit, c'est qu'il vit longtemps. Donc c'est très bien. Préféré Marcus à Squeezie. Merci, mon Blacero. Blacero qui a gagné tout à l'heure à Team Game One. J'étais très content que tu gagnes. Bravo. Bravo. Salut, petit café. un petit café. Mais c'est bien comme ça. Mais ça y est, que des nouveaux pseudos rigolos. Petit café, j'imagine c'est un petit café, quoi. Eh ben, on va nominer petit café, mon dindin. Si tu es là. Je n'ai pas vu le dindin encore. Je surveille, du coup. Je sais que le Timmerson ne pourra pas venir. Et je ne sais pas s'il y a le dindin. Alors, ça se trouve, je ne vois pas de dindin bouger. Je vais peut-être nominer... Le dindin est là, dit Blacero. Ok, très bien. Il est là. Ok, oui, tu étais en train de noter, excuse-moi. Sinon, j'étais prêt à noter le temps que t'arrives, il n'y a pas de souci. Le cochon à plumes est là. Ralex Power, bienvenue. Arjoul, bienvenue. Ah, tous ces gens que j'ai vus à la Paris Games Week, c'était tellement bon de vous voir en vrai. Valamedios, bienvenue. Pourquoi j'ai pas un pseudo sympa? Bah, c'est pas mal. Je ne parle pas espagnol. Qu'est-ce que ça veut dire, Valamedios? Vanon de Dieu, un truc comme ça, tu vas nous dire. Salut Loïc Gaming, salut à mon petit Mick Zelda, le fond du casson marron est là aussi. Et Goldorf a hâte d'être au TGS, tout à fait. Alors, ce sera dans 2 semaines le TGS. Ce week-end, je suis à Reims, on est à Reims avec la Bullet Team. N'hésitez pas à venir nous voir, ça va être cool comme tout, on va bien se marrer. Prévu une grosse session de questions de merde geek avec les guests, ça va être très sympa. Et on va bien se marrer. Et puis le TGS, c'est le week-end d'après. Comme quoi, je repars sur les autres. Donc, vous voyez, vous comprenez pourquoi j'ai tenu à fêter dignement l'anniversaire de ma femme le jour même. Parce que la pauvre, elle m'a vu partir une semaine sur la partie Paris Games Week. Je repars ce week-end à Reims et je serai encore pas là le week-end d'après au TGS. Donc, voilà, on se voit pas beaucoup en ce moment. Donc, voilà, c'était important de prendre le temps. Pour honorer son anniversaire, c'était bien. Voilà, tu peux faire le chauffeur Goldar. Ah oui, j'ai vu ton message, j'ai pas eu le temps de répondre aujourd'hui. On était en tournage sur Game One. Donc je ne garantis pas mon état, j'ai enchaîné une grosse journée avec le tournage des 4 level 1 habituels et puis plus Team Game One. Et voilà, je suis à peine en rentrant à la maison, le temps de tout installer, me voilà. Donc je garantis pas mon état de fraîcheur, mais au moins, on va enfin pouvoir faire Plectel Requiem, souvenez-vous, il y a quelques semaines j'avais essayé,
Mais j'y jouais sur Xbox dans le cloud, et ma connexion, pourtant j'ai la fibre et j'avais mis un câble Ethernet, mais ma connexion n'a pas supporté, c'était soit le stream qui était saccadé, soit le jeu, et du coup j'ai pas pu jouer. On s'est rabattu, mais c'était pas plus mal, merci Mimi, c'est gentil. On s'est rabattu sur Unusual Things, non, Unusual, c'est, pas, non, c'est comme Stranger Things, Unusual... J'ai oublié le nom, mais le petit point and click très sympa là. Donc c'était bien finalement. Mais on n'avait pas fait de Plectel Requiem. Donc je me dis, ah bah allez, c'est l'occasion de le faire. J'ai hésité entre continuer, God of War, j'ai le cartos dans la tête. Lenny Bar va bien sûr être nominé lui aussi. Alors je précise que vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour être nominé au meilleur pseudo. Hein. Faut juste que je vois le pseudo. Donc évidemment, si vous abonnez, ça pop. Donc je vois en plein milieu de mon écran. Mais je surveille quand même le côté. Donc n'hésitez pas sur le chat. Faites-moi un petit coucou si vous avez un pseudo rigolo. Faites-moi un coucou comme ça. Je vois le pseudo. Ah d'accord. C'était croisé à la défense à l'époque de Micromania. Bah écoute, c'était drôle. C'est drôle. Ah bah voilà, je vois. Vache GTI. C'est bien. Vache GTI. C'est une vache ultra rapide. C'est comme une turbo GTI. Ok. Shadow of Myself, salut, je suis prêt à me mettre la rat, ton combouillon. Ah, il va y avoir des vannes sur les rats ce soir, je le sens. Je sens que ça va être ça. Ah, c'est drôle. Le Jedi est rentré tard de soirée de réunion pour madame, donc le stream tombe bien maintenant pendant que les loups sont. Écoute, moi aussi je couche mon petit loup avant le stream. Salut On Project, merci pour l'abonnement. Donc comme ça, bah écoutez, les enfants sont couchés, parce que je pense que c'est quand même relativement violent par moment, Plectel, donc on va coucher les enfants, c'est pas plus mal. Et puis, bah on va y aller, tranquillou. Je vais lancer le jeu. Voilà, ça commence au Royaume de France, quelque part en Provence. Et on va donc revoir la première séquence qu'on avait vue, première fois, il y a quelques semaines. Sauf que cette fois, on va pouvoir arriver au bout. Voilà, ah bah il était temps. T'étais fan de Retro Game One ? Ah bah oui. Et moi aussi, j'aimerais bien qu'on en refasse des nouveaux. Mais on n'a pas de budget pour l'instant. Les budgets sont gelés, on peut rien faire. Merci Disquette, c'est gentil. Alors regardez ces pieds, déjà c'est beau. C'est beau la Provence, déjà de base. Mais modélisé comme ça, c'est encore plus beau. Et lui, il est allé se mettre... Lui, comment dire, on a pas le cul sorti des ronces, bah lui t'es en plein dedans. Tu vas épuiser notre méchant. Alors on va commencer avec un petit tuto, tout simplement. On va... Il y a Mémoire Vire 2.0 de Jean-Mon... Oui, tout à fait. Alors le comeback, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Mémoire Vire qui est à l'origine de Retro Game One d'ailleurs. L'origine de Retro Game One, c'est de récupérer Mémoire Vive et d'en faire... de le booster un peu pour plaire aux plus jeunes en fait. C'était l'idée. Mémoire Vive, c'était bien pour la nostalgie pour les vieux comme moi, mais ça parlait moins aux plus jeunes qui n'avaient pas connu cette époque. Et donc le fait de faire les cons avec des costumes pourris et des décors en carton, ça parle aux plus jeunes. Et du coup, bah voilà, on a réussi à donner envie de s'intéresser au rétro gaming. Il y a de beaucoup plus jeunes grâce à nos conneries, donc je suis assez fier. Mais tout ça, c'était pour enrober Mémoire Vive à la base. Donc, si vous regardez bien les premiers épisodes de Retro Game One, les images de jeu sont les images tirées de Mémoire Vive, avec les petites bulles dans lesquelles il y avait des facts à chaque fois. Enfin, on essaie de jongler un petit peu avec ça, c'était pas facile. Et très vite, dès la deuxième saison, on a eu nos propres images, nos propres saisies de jeu pour pouvoir se détacher un peu de Mémoire Vive. Et puis l'émission a commencé à vivre toute seule. Mais sans Mémoire Vive, il n'y aurait pas eu Retro Game One au début. De Alex Pilote et Jean Moncey. Alex Pilote, le créateur de No Life, avec Sébastien. Donc, vous voyez, que des gens bien à Game One depuis toujours. Oui, cachons-nous. Oui. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, je viendrai vous chercher, roi Hugo et Amicia l'Amazon. Oh, allez donc, ça pète un peu. Alors maintenant, Amazon comme Wonder Woman, carrément. Merci mon dindin qui s'abonne. Non, mais... Le rêve. Alors voilà, regardez, ça fait plaisir de voir la même scène sans lag, non? C'est quand même pas mal. Même si sur mon retour, ça lag un peu, j'ai l'impression. Oh là, qu'est-ce que je suis con. T'es trop méchant. Allons, gardez courage. Trop facile. Bah non, bah reste accroupi.
Je vous donne une seconde. Ah oui, bêtement, je suis allé me foutre en plein milieu. Voilà, on va rester là. Tranquillement. J'avais 15 ans, on s'est rencontré à Japan Expo, tu m'avais dit, tu es bien jeune pour regarder des vidéos, des trucs de vieux, non? ça m'hallucine toujours de voir des jeunes qui regardent Retro Game One. 15 ans, mais oui, je me disais, les gens qui m'ont regardé au tout début de Game One, ils avaient 15 ans. Aujourd'hui, ils en ont 40. Ils en ont 40, les tout premiers. Tous premiers ados qui me regardaient sur Game One ont aujourd'hui 40 ans. C'est fou, ils ont des enfants. Ils viennent me voir avec leurs enfants. Je vous trouverai de toute façon. Oh, il est là. Mes sens prodigieux ont détecté quelque chose. Ah, est-ce qu'il nous a vu ou... On va se cacher un peu plus loin parce que là, on m'amuse à tourner autour. C'est mignon ces enfants qui jouent dans les ruines. Allez. Donc en fait là, mine de rien, j'apprends l'infiltration. Bon, je sais pas où il est par contre. Je peux bien m'infiltrer mais... Vous êtes ici ? Où pourriez-vous bien être ? Où est-il ? Ah, il est tout là-bas. Il est tout là-bas. Est-ce que je peux me cacher dans la lavande ? Ah, elle m'a repéré, mais qu'à moitié. Il se pose la question, on va dire. Là. On va faire le tour de l'autre côté. Ah, vous me connaissez, l'infiltration. J'adore ça, sauf que ça marche jamais avec moi. Bouh ! Voilà. Bonté divine. Bonté divine. Ah bien. Et Marcel Bagnol dans la gloire de mon père, oui, c'est ça. Ça fait un peu... Écoute, si je veux devenir alchimiste... Ça fait un peu Marcel Bagnol. Ils ont pas l'accent, je trouve. Je suis toujours l'apprenti de ta mère. Ah, plutôt bien, non, après tout. Je pense qu'ils avaient mis un accent d'époque, il devait être quand même bien prononcé l'accent, ça aurait paru très bizarre. Bien, allons voir le reste de ce château, comme vous voudrez, mon bon roi. Eh bien, allons-y. Je suis content que Lucas soit resté. Moi aussi. Sans lui, on ne serait pas ici. Alors, où est le château? Il est là. Allons nous voir, j'avais dit, petite balade digestive. Ça peut être sympa. Ça ressemble à la Meuse. La Meuse, c'est moins joli, non? Enfin, je veux pas être vexant avec envers les Meusiens, ou je ne sais pas comment on les appelle, mais la Meuse est moins folklorique et funky que la Provence, quand même, non? Je peux monter sur ces rochers? Vas-y, mais ne tombe pas. Je tombe jamais. Oh. Petit menteur. Oui, le roi Hugo patrouille sur les remparts de sa forteresse. Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut? Mon royaume. Est-il prospère? Il l'était, mais Lucas l'a attaqué. Ah oui, le sorcier maléfique. Oh, une rivière. C'est mignon, j'avais vu. Le fait que ce soit des enfants, tout de suite, ça... Comment dire? On a envie de le protéger, ce petit, s'il arrive des misères, ce qui ne va pas tarder, évidemment, arriver, mais... Mais je trouve que c'est bien, ils arrivent dès le début à vous impliquer émotionnellement, ça c'est... C'est cool, il est frais, Hugo, oui. La Meuse, c'est magnifique quand il fait beau. Mais bon, c'est pas souvent. La Bretagne, c'est ça? Ils vont nous... Vous connaissez ma fameuse blague? Le touriste arrive en Bretagne, puis il pleut, évidemment. Et donc il voit un jeune qui est assis sur un banc, un peu sous la pluie. Et il demande au jeune, il dit ça fait longtemps qu'il n'a pas fait beau ici. Le jeune, il dit, je sais pas, j'ai que 18 ans. Voilà, j'aime beaucoup, cette blague, cette vieille blague, mais ça marche toujours. Alors, je vais faire Thierry la fronde. On a Thierry la fronde parmi nos... Mis notre team. Là, je vais faire tirer la fronde, tout simplement. Alors pourquoi ça marche pas? Ah ouais, faut que je le laisse tourner un peu plus. Un peu plus longtemps, mon. Voilà. Ah. J'ai entendu ma fronde. Le gars a quand même l'oreille fine parce que pour entendre une fronde. Oui, mais qui es-tu? Je m'appelle Tona. J'habite dans le coin.
D'accord. Nous sommes Hugo et Amicia. Tu sais tirer, Tona? Évidemment que je sais. Chouette! Je suis le roi et... Eh ben voilà, les enfants, ils sont comme ça. Ils sont des copains très très vite. Ça marche beaucoup mieux que la dernière fois. Oui, mon dindin, ça a été difficile de marcher moins bien encore. Bien, un petit côté Game of Thrones. Ouais. Des trucs mignons, puis des trucs horribles de temps en temps. C'est pas, c'est vraiment bien foutu. D'ailleurs, vous avez vu, il est nominé au Game Award dans les jeux de l'année, quoi. Qui est vraiment bien. Alors, ça va être dur de faire le poids face à God of War ou Elden Ring, mais c'est quand même bien, je trouve, d'arriver dans cette compétition. Après, ils ont mis des trucs comme Stray aussi. Bah, c'est bien, mais ça mérite pas Game of the Year, quand même. Donc, voilà. Alors que là, ça pourrait se discuter. Les autres seraient pas si bons. Je trouve que ça mérite, ça mérite. Quand est-ce qu'on visite le château Grand Schtroumpf? On va y aller, Maca. Ah, j'ai reçu le jeu de cartes des Schtroumpfs. Genre un Mario Kart avec des Schtroumpfs. On va voir ça rapidement. On se dit la semaine prochaine dans Level 1 parce que... il a l'air pas mal, en fait. On va voir. C'est très étrange, oui, qu'il soit dans le... Non, bienvenue, Val de Bayonne, et merci pour le sub. Tona n'est pas sur la jaquette. Tona n'a sans doute pas beaucoup de temps à vivre. Oh, Bernard. Suivons le cours de cette rivière. On ne sait pas, on ne veut pas spoiler. C'était parfait. Tu en as coulé plein. Et Tona était gentil. C'était oui, Tona. C'est vrai. J'aimerais bien avoir un copain comme lui. Je sais. Voilà. Mais on s'installera bientôt pour de bon et tu t'en feras des amis. Tu es sûr? Excusez-moi, je suis allergique à l'accent provençal. Peut-être, c'est ça. Je ne sais pas. J'espère que non. Je le sais. Non, j'ai rien contre les accents. Au contraire, je trouve ça tellement mignon. J'ai déjà raconté une fois, j'étais dans les Pyrénées. C'est toi qui me hisse. Petite ville qui s'appelle Ours-Bélil. On en a parlé il n'y a pas longtemps là, aux actus, je ne sais pas pourquoi. Et j'étais sur la place du village, et puis il y a des filles qui passent en vélo qui me font coucou. J'étais content. C'était bien avant que je sois connu ou quoi que ce soit. Hein, donc, si elles me faisaient coucou, c'est qu'elles me connaissaient. Donc, elles sont venues me voir et puis elles m'ont dit: ah bah, on s'est trompé. On t'a convenu avec quelqu'un d'autre. Je dis, ah bon, bah, je devais ressembler à un de leurs copains. Donc, on commence à discuter, puis je leur dis, bah, c'est vraiment rigolo votre accent, quoi. Et elles me disent, mais on n'a pas d'accent, c'est toi qui as un accent. Et moi, j'ai dit, moi, j'ai un accent. Et sauf qu'on l'entend quand je le dis là. Moi, j'ai un accent. C'est l'accent parisien, des années 30, mais l'accent parisien tout de même. Belle-Île, Ours-Belle-Île, non pas Ours-Belle-Île, c'est pas en ours, mais qui se tend, non. Non, Ours-Belle-Île, c'est un drôle de nom de ville, mais une toute petite ville, c'est un village, hein, c'est même pas une ville. Et il y a eu un truc il y a pas longtemps, c'est pas quoi. J'aurais dû répondre avec la voix de Galabru, oui, mais comme c'est des filles, je pouvais pas faire une voix de Galabru pour une meuf, ça serait un peu... Alors, donc, on m'explique que je peux sauter par-dessus un obstacle, sauf que... Je ne sais pas où. Est-ce que je reste en bas de la rivière? Est-ce que... Passe ici. Allons voir ça tout de suite. Monte. Voilà, j'ai fait demi-tour, je pense que ça servait absolument à rien. Voilà, je vais pouvoir passer là en fait. Voilà. On monte. D'accord. Excusez-moi, je me perds. Ce beau soleil là, c'est perturbant. Hop. Dessus, dessous. Ouah, ce château est immense. Qu'en dites-vous? Alors comparons par exemple l'eau et les galets avec ceux de God of War qu'on a vu la semaine dernière. Est-ce que c'est plus ou moins réussi? Bah, je trouve ça un poil moins réussi. Voilà, les textures, la fluidité de l'eau est un poil moins réussi. Les reflets sont pas mal. Oui, je suis expert en cailloux et en galets. On a l'impression que c'est plus, je sais pas, plus naturel dans God of War. Plus, comme s'il y avait plus de couches d'eau, je sais pas comment expliquer ça, mais plus fluide en tout cas. Oh, le beau château! On a vraiment, je trouve qu'on sent, je sais pas si vous le sentez, mais on sent vraiment l'été. On sent la chaleur, il y a des petits bruits de cigales, de moustiques, de trucs comme ça. On sent presque la chaleur. C'est fermé. Regarde les brins d'herbe, bah oui, vous savez que c'est le bon truc, les brins d'herbe dans Halo, c'était le premier. J'étais totalement extasié quand Halo est sorti, j'ai passé du temps à regarder les brins d'herbe. Mais parce que pour l'époque, au lieu d'avoir une texture plate
collés sur le sol, et ben on avait vraiment des brins d'herbe pour une fois, et c'était fou, quoi. Maintenant, ça paraît banal, mais les brins d'herbe, bah regardez, il y en a de l'herbe là. Hein, du beau brin, bien bien dru, qui colle, hein, qui se met un peu dans le rocher, mais on va pas le chipoter. Là, ça fonctionne. Oh, les troupes du sorcier ne doivent pas être loin. C'est vrai. Oh là. Ah bah pas de chance. Tu t'es fait mal? Ah bah c'est ça, c'est les maisons pourries. Mais je veux rentrer maintenant. Je suis d'accord. Ça suffit pour aujourd'hui. Oui, Amicia. Il y a des habits et à manger. Voilà. Mais regardez-moi cette belle lumière qui filtre à travers les petits raies de lumière, à travers le bois. Non, franchement, c'est du beau boulot. Ils ont vraiment, tu sens ça, vraiment assuré, quoi. On dirait une cheminée. Oui. Hop. Alors qu'aujourd'hui, Halo Infinite n'est pas le meilleur en termes de graphisme. Bah oui, Zenkai, oh, tellement d'accord. Halo, ça a toujours été la vitrine technologique de la Xbox. Et là, ils ont dit, oh non. Et mec, on n'avait plus qu'une seule grosse licence qui plaît à tout le monde, qui pourrait vraiment faire en sorte qu'on achète votre console plutôt qu'une autre, et non. Vous l'utilisez qu'à moitié, alors c'est un bon jeu, mais c'est pas la vitrine que ça devrait être, quoi, c'est fou. Ça, ça pourrait être une vitrine technologique à la limite. Oh là, il y a beaucoup. Ça a beaucoup cramé là, qu'est-ce qui s'est passé? Un jeu qui aurait pu être présenté par Stéphane Bern. Ben dis donc. Ah, j'ai manqué de réflexe tout à l'heure. J'ai fait un level 1 sur Pentiment. Et oh, ils ont pas l'air sympas. Et vous êtes combien? C'est une table pour deux, s'il vous plaît, monsieur le boucher. On est venu manger de la charcuterie. Oui, j'ai parlé de Pentiment et j'ai montré tout à l'heure. Et je sais plus ce que j'allais dire, j'ai manqué de réflexe. J'ai bien parlé de Simon de Tuyère, parce qu'évidemment, ça me fait forcément penser à lui. Ah, vite, 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 ouvre. Je vais discuter. Non, c'est fermé, ok. Alors, on va aller par là, voilà. Attendez, parce que je me fais agresser en même temps. Oui, ça aurait été l'occasion de parler de ce dont vous m'avez parlé là, mais j'ai déjà oublié, parce que j'étais stressé. Il a l'air commode, le gars. Ah, restons cachés. Oh, dis donc. Oh, c'est gore. J'espère vraiment que les enfants sont couchés, les amis. Oui, ben, on va rester là. Ah, regardez, on parlait d'herbes. Bah voilà, de belles herbes. Bon, tue-les si tu les trouves. Mais mes yeux, tu dois aller. Ta femme dort, il faut que t'en profites. Oui, il faut qu'on s'occupe de nos petites femmes, les gars. Et les filles, il faut que vous occupiez de vos mecs aussi, bien sûr. Mais voilà, je comprends, je te pardonne. Écoute, tu reviendras un autre soir. C'est tous les jeudis soirs d'habitude et non pas le mercredi, évidemment. Bon, lui, il est parti par là. Je vais essayer d'aller de ce côté-là. Oh là 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 là. J'ose pas trop m'approcher du cadavre. On passe maintenant. Ils vont nous tuer. Non, ils ne nous verront pas. Mathias, viens. Ah, Mathias. Visons salement à monsieur ton père. Non. Amicia, non, ma maison. Oh, c'est pas bon. Père devrait rentrer du marché dans pas longtemps. Ouais. Elle va traverser par la hutte de Abraar Coursix. Oh, ce qui me fait penser que j'ai reçu un super collector de Astérix XXXL avec une figurine d'Obélix magnifique. Je vous ferai gagner la semaine prochaine. On fera comme ça, je vais mettre de côté. Je vais mettre de côté les trucs qu'on m'envoie parfois. Et franchement, c'est assez top. Et ça dit des gros mots en plus. La boîte à outils, ça va faire du bruit. Alors, prenons un caillou simplement. J'avais juste besoin de boulot. Je vous aurais, pauvre. Petit bruit avec la boîte à outils. Petite diversion. On s'en va très loin d'ici. Maman va être très en colère. On lui dira rien.
L'infiltration avec un enfant, ah, c'est terrible. Quand on est papa, on veut toujours protéger son petit des pires trucs et tout. Tout à coup, ça parle vachement plus que quand on est un joueur lambda, quoi. Mais que du gros mot. Ah, le fameux Tona. Passer là. Vite, vite, vite. Oh, il est sympa, il m'aide. Ok, je vais rester dans le dans les herbes. Parce qu'on sait jamais. Ah, on peut se glisser. Oui, on peut se glisser en dessous. J'ai peur. Il y a des mouches, ça doit sentir la charrue tout à fait. Au début, je croyais que ça faisait un peu cigale. Là, c'est plus des mouches qu'autre chose. J'espère que tu vas pas mourir, sinon ça va être rageant. Ah oui, est-ce qu'on compte les... Ouais, je vais pas trop charger la mule. Je devrais pas trop faire travailler dindin. Oh mince, c'est des guêpes qui m'ont piqué. Je peux détourner un ennemi qui a alerté votre présence. Hop, vite fait avec triangle. Voilà. Est-ce qu'ils m'ont vu? Est-ce qu'ils m'ont vu? Oh oui, il m'a un peu vu. Oh, oh, bah, je sais pas encore me défendre. Eh voilà, première mort de la soirée. On va pas les compter. On va pas les compter. Comme c'est pas un comment. C'est pas un jeudi soir normal. Faut utiliser des ruches de Sioux. Bravo, Fessager. Allez, on nomine Fessager pour la première bonne vanne de la soirée. Enfin, il y en a eu d'autres, mais celle-là, elle est vraiment vue. Des ruches de Sioux. Oh, je croyais que les vannes allaient être sur les rats et finalement ça part sur les ruches. J'ai manqué de réflexe en fait, j'ai envoyé le truc pour le détourner son attention puis j'ai pas fait tout de suite. Tu es mort d'ardard, Marquis. Oui, elle Florisseau. Elle a fait Harakiri. C'est rat géant. Kratos a prêté sa hache. Oui, c'est vrai que la hache est en train de passer d'un jeu à l'autre là. Alors, utilisons ma ruche de Sioux. Hop, triangle, regarde là-bas. Et nous, on se dépêche pendant ce temps-là. Il a failli nous voir. Chou patate. Oui, il faut qu'on fasse plus attention. On reste caché là. Il nous a pas vu. Allez hop, on traverse. Attends que le petit bum soit vert et on y va. Alors, ce serait pas une caisse à outils, ça? Amicia, elle est beau. Ça pourrait marcher. Alors, est-ce que je peux... Ce pot-là? Ah, hop. Ah, j'ai ramassé un pot. Très bien. Alors, où est-ce que je vais vouloir passer, moi? Je vais vouloir passer devant lui. Alors, maintenant que j'ai un pot. Si je le lance derrière lui. Voilà, faire du bruit par là. Oh merde, cours, cours. Oh non. Oh là là, ça rigole pas. On est qu'au début. Tiens, mort deux fois. La secte des paniers en nos yeux, ils sont pas comme à deux, tout à fait. Pour faire la potiche. Plaît-il? Alors, allons-y. Il faut atteindre cette porte. Je dois détourner son attention. Où est Tonin? Je vais m'occuper de son cas. Oh là là, il cherche Tonin, c'est pas sympa. Il doit se planquer quelque part. Alors, j'ai du pot. Mais est-ce que je vais en avoir suffisamment? Voilà. On sélectionne. On se dépêche. On passe en dessous. Bon, y'a rien. Je flippe vraiment. C'est oui, terrible ce jeu. Lance-lui le gosse dans la tronche. Bonne idée, face au gars. Regardez, son visage est vachement bien d'ailleurs. Honnêtement,
Je trouve que les visages sont très bien modélisés. Je suis toujours en train de me plaindre que les persos de jeux vidéo ont des têtes de persos de jeux vidéo et pas d'humains. Et là, franchement, on est à deux doigts de... Voilà, c'est vraiment réaliste, la petite mèche et tout. Encore un truc dans le regard, mais... franchement, on n'est pas loin de la perfection, là. Pitié, dites-moi qu'on peut sortir par là. J'espère aussi. Allons-y. Moi, je donne pas cher de la peau de ce pauvre Tonin. Ah non, c'est fermé. On peut pas monter par-dessus, là. Oui, je parlais de l'autre côté. Ouvrir la porte. Oh, j'aimerais tellement que tu n'aies pas à faire ça. Allez. Vas-y, comment je fais? Comment je fais pour lui donner l'ordre? Hugo peut ramper dans les endroits. Maintiens L1 pour afficher les options. Je peux lancer le gosse. D'accord, mais fais très attention. Ah, c'est quasiment ça. Osier, Joséphine. On va nominer fond du caleçon marron pour cette très belle imitation d'Alain Bachoul. Vous êtes exceptionnels, les amis. Tout ça dans un moment de tension absolument épouvantable. Est-ce que je peux me cacher dans le tonneau? Je pense pas. Appelle Karen Cheryl pour lancer Hugo. C'est vrai. J'espère qu'il va s'en sortir, le petit. On peut rentrer là-dedans. Ou est-ce que c'est fermé? Ah bah voilà, pas de chance. De l'autre côté. On peut monter là. Non. C'est, n'empêche, admirer cette roche sculptée. Toujours admiratif de la qualité des textures dans les jeux maintenant. Notamment la roche, je trouve que... Là, c'est totalement photoréaliste. Peut-être me cacher un peu. Ah, bon, ils y vont cacher. Stop! Arrête! T'es la plus grosse erreur de notre père! Mais je vais arrêter ça! Arrête! Hugo, reste derrière moi! Quoi? Vous êtes qui, vous? Hugo Délire. Hugo Délire et Karen Cheryl, le duo de choc. T'es avec ces voleurs? Non. Salut Geji Omega, bienvenue. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard. Je... Vous avez rien à faire ici. On s'en va, moi, pas de problème. Et me déçois pas, compris. Lui, c'est l'apprenti. Mais le garçon, il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Tu chacasses trop. Et bim. Oh là là, j'ai... J'ai droit à une petite quick time event, là je voudrais me battre sérieusement. Triangle par exemple. Ah oui. Oh, on frappe pas un enfant, vous avez payé cher. Bande de vermine. Surtout que le petit Hugo, regardez ça, ça vibre dans ma manette, il va se passer des choses. Oh, ah bah il s'évanouit, c'est ça son super pouvoir, bah merci. Ça aide pas. Ça aide pas du tout. On aurait dit Christophe Lambert ou Marlène Schiappa. Il y a quelque chose. Il va pas être frais, Hugo. Master Tom. Les vannes sur Hugo frais, non mais... On voit qu'on est avec des boomers, ça fait plaisir. Voilà, ça c'était la petite intro. Et maintenant, on va passer... Ça va être tuto en même temps. Et on va... passer aux choses sérieuses. Et c'est toujours aussi beau, vraiment. Monté d'un cran au Puy du Fou cette année. Toulouse, notre vainqueur de la semaine dernière, vainqueur du meilleur pseudo et de la meilleure vanne. Chapeau, historique, bravo. Ah, je suis admiratif. Bérou, la gifle 2, le retour. C'était peut-être l'ancêtre de François Bérou, à savoir. Merci JR pour le ça, c'est très gentil. À combien de mois, toi je... Ça, j'arrive même pas à lire. Plus 10, ça fait genre 10... Non, plus 10 mois, ça fait plus que ça. Incroyable. Merci. Merci, troll breton. Alors, ah bah, un Pokémon, quoi, c'est Roucoucou, comment ça s'appelle? Je connais pas les Pokémon. Où on est? Est-ce que c'est un cauchemar? Non. Oh non, ça recommence. J'ai besoin d'aide. Ah oui, ça va pas, là. Petite crème anti-acné. Attends-moi.
Attends-moi, petit roucoucoule. Tu es tout seul ici? Où est Amicia? Non, t'en vas pas. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Respire. Respire. Où est-il passé? Où est-ce que tu vas? Ah, il est là, il est là. Il est là, mais il se téléporte. C'est un Pokémon électrique avec téléportation. Je veux ma sœur et ma maman. Oh, tu le goûtes. On est là. Tout le chat est avec toi. Toute ma communauté est là pour vivre pour toi, sur toi, mon petit peu. Oh, je vais chialer. Peut-être qu'il sait où elles sont. Oui, elles sont peut-être par ici. Ah, à mon avis, petit go, tu lui fais un cauchemar. Va mouiller ton lit, je pense. Il est dans un mauvais délire, Hugo. Bien sûr, Kira. On va nommer Kira pour il est dans un mauvais délire, Hugo. Petite référence à Carré de Chéri. Bah, évidemment, ça va être toute la soirée, mais celle-là, elle est bien amenée. Bravo, Kira. Ah, regardez ça, si c'est beau. Petite pétale qui virevolte. La brume, le coucher de soleil, franchement. C'est quand même cool d'avoir des consoles next-gen pour ce genre de choses. J'ai mal. Et d'ailleurs, même s'il n'y avait pas de console next-gen, comme j'ai tenté de le prouver il y a quelques semaines, ou avec votre vieille Xbox, c'est mon cas, j'ai pas acheté de Xbox Series X, vous pouvez jouer quand même à ce jeu dans le cloud en fait. Condition d'avoir une bonne connexion et de ne pas vouloir faire le malin et streamer devant ses amis. Il suffit juste de... Quand je jouais tout seul, ça allait en fait. Il y avait des petits bugs de temps en temps, mais dans l'ensemble, ça fonctionnait quand même. Laisse-moi. Oh là 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 là, ça va pas du tout. Arrête. Allez, avance, avance. Là, c'est pas une cinématique, hein, c'est moi. Il dirige la caméra. J'essaie de faire avancer Hugo, mais... Il a du mal. Pauvre petit bonhomme. C'est Cloud François. Fallait pas fumer la lavande du Jedi 38. Ça va être tout noir. Sacré gueule de bois, ce petit. Oui, pas là. C'est vrai qu'il est. Il est un peu forcé sur le pastis. Alors, tu vas d'abord me soigner cette vilaine peau, Hugo. Et après, tu te permettras. C'est arrivé près de chez vous. Je sais pas, vous avez connu sûrement. Enfin, je pense. Ouais, si vous êtes là, vous connaissez forcément. C'est arrivé près de chez vous avec. Si je puis me permettre. Tu ne te permets rien du tout, Rémi. Tu vas d'abord te soigner, c'est le vilain pont, et après, tu te permettras. C'est grâce à l'eau. Tu m'as sauvé. Exceptionnel pelle-vente, quand même. Merci, petit oiseau. Avec quelqu'un. Ah, voilà. Alors, est-ce que c'était bien le moment de faire un rêve alors que son petit copain est en train de se faire buter et sa sœur en train de prendre cher? C'est pas sûr. Il vient découvrir qu'il est arrivé à Lourdes. Parce que tu le vaux bien, Rémi. Ah. Tu te réveilles enfin. Tu as bien dormi? J'étais en plein rêve. Alors, de quoi il a rêvé? Où est-ce qu'on est? Que c'était un flashback? Est-ce que... Tu as encore rêvé de ton île? Oui, je... J'étais malade et un grand oiseau. Oh, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rejoué il n'y a pas longtemps à Red Dead Redemption et je trouvais ça déjà beau, mais près de la rivière, là il y a quand même un pas qui est franchi quoi. Mais tu t'es senti. C'est fou. Fatigué tout à coup. Alors je t'ai porté sur le retour et tu t'es endormi. C'est peut-être juste un manque de sel dans ton sang. Mais Amicia, on a fait une longue route, Hugo. On est tous. Amicia, ça fait un peu le nom de maladie vénérienne ou c'est que moi? On te fera examiner là-bas. Parce que chlamydia, non? C'est à l'époque, c'était répandu. Les maladies vénériennes, mais aussi ce prénom. Pourtant, personne n'est venu nous aider en Guyane. Avant qu'on prenne la fuite. Ils ignoraient que l'Inquisition s'en prendrait. Ah, l'Inquisition, on les aime pas, ça. À nous accueillir maintenant. Eh bien, jamais avancé dans Red Dead, je passe mon temps à me balader. Oui, mon Florisso, moi aussi, c'était ça. Jouer en ligne avec des potes. Et souvent... On foutait rien, on allait se balader simplement, on allait jouer au poker, des trucs idiots.
On volait des chariots. Qu'est-ce que on faisait des acrobaties, mais. Je ne sais pas. Mais pas vraiment le scénar en fait. Voyons voir. Bonjour. Bonjour. Comment Chlamydia ? C'est Claudette, Chlamydia, c'est Chlamydia. Je cherche une fille et un garçon. Quand je cherche une fille et un garçon. On dirait une chanson des années 80. Ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. Ah, Riri, Fifi et Loulou, sans doute. Il faut partir, maintenant. Regardez la lueur dans le regard. Bah voilà, je trouve que c'est ce genre de petits détails qui rend les persos vivants. Une longue route à parcourir. Bonjour. C'est pas toujours le cas dans les jeux vidéo, ils ont vraiment le regard vide. Le garçon, c'est eux. Ah mince, trop nul. Les gars de la ruche nous ont retrouvés. Ne la laissez pas filer. Ah mais moi les herbes hautes c'est ma spécialité. Je sais que t'es quelque part par là. Ah oh, la vache. Allez, restez dans le chariot. Oh là 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 là. Ok. Pas droit à l'erreur quoi. Allons-y. Allez me chercher très loin. Loin de l'endroit où je suis. Voilà, puis j'ai plus ma fronde. Pas me défendre, hein, j'ai rien du tout. J'ai pas de peau. Après, si je pouvais en zigouiller un par surprise, je pense que je pourrais récupérer une de ces armes. Ça, heureusement qu'il y a de la végétation en Provence. Ils sont partis au loin, visiblement. Bon, ils ont dû descendre. Ah, et voilà. Dépêche-toi, à couvert. Attention, tu peux le faire. T'as vu comment ils ont dévoré Mathias et Rémi ? Comment on se débarrasse de monstres comme ça ? Il faudrait essayer de leur couper la tête. On appellera un prêtre si possible. Est-ce que je peux tenter de... Continue. Oh, ok, je voulais tenter une élimination rapide. Et ça ne marche pas visiblement. Ah. Aïe aïe aïe, non, non, ok, ils ne laisseront pas faire. Ah là là. Allez, je peux y arriver. Bah, j'ai tenté ma chance. Mais là, effectivement, c'est juste du cache-cache. J'ai pas le droit de. Pas le droit de faire autre chose pour le moment. Je vais passer dans son dos, mais cette fois, je vais pas essayer de l'agresser. Peut-être que l'autre va me voir. Ouais, ça passe. Pas de bruit, la chèvre. Je suis là. Voilà. Heureusement que les chèvres se mettent pas à bêler sur mon passage. Poser problème. Alors lui, il est loin, c'est très bien qu'il y reste. Et lui, il est pas loin. Peut-être que j'utilise quelque chose à utiliser pour faire du bruit. Ou alors juste descendre, hop. Donc il repart de l'autre côté. Il doit pouvoir descendre de ce côté-là. Il n'y a pas une arme à ramasser, et non. On a les pierres, les feuilles, il manque les ciseaux. On va jouer à Shifumi avec eux, ouais. Allez, je le tente. Descends, oui. Tu vas tout brûler. Nom d'un chien. T'as tué mon fils. Bon, bah courons alors finalement. Allez. Oh, ils vont tout nous cramer. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Oui. Ah, c'est tendu, les amis. Tu vas mourir, sorcier. Tu vas mourir. Maintenant, tu vas mourir. Je peux grimper encore?
Est-ce que grimper dans une maison en flammes, c'est une si bonne idée que ça? Je suis pas convaincu. Oh là 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 là, et maintenant ils ont des flèches. Il me filerait pas ta petite pique, toi, des fois. Voilà. Attaquer un ennemi au corps à corps fait du bruit, alerte les ennemis relais. Oui, bah, en même temps, hein. On va prendre une arme, des fois. Vous pouvez éliminer les ennemis en tirant la tête avec votre fronde. Ah bah, j'ai récupéré ma fronde, maintenant. Et bien la faire tourner. Ça va prendre bien cher. Bam! Exactement. Je suis d'accord, c'est tout ce qu'il mérite. Ouah! Aïe 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 aïe! J'aurais... Je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. GG la gamine! On a trouvé le pyromane de la Gironde. Arrête-le, Marcus. Oh non, non, pas menu principal. Recommencer la section, c'est beaucoup mieux. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Alors, hop, ma fronde. Ah merde, bah oui, mais en fait, je devrais m'occuper de lui d'abord, il arrive en premier. Ah non, il faut pas que je me laisse surprendre cette fois. Ah, j'ai failli. Ouais, il est sur moi plus vite. Faut appeler Thierry, là. Oui, je suis d'accord. Thierry la fraude, au secours, qu'est-ce que je fais? Voilà, bon, lui, il est arrivé. Premier arrivé, premier servi, normalement, mais... Voilà. Cavale, je vais pas essayer de tuer tout le monde, hein. Essayer de m'en sortir vivant, ce serait déjà pas mal. Que là, mal à m'y retrouver dans le feu. Je cours. Mince. Dans la tête. Aïe, ils m'ont eu avec des flèches. Ah là là là. Si tu fais trop chaud, tout va être frondu par l'incendie. Aïe, Marcus la fronde, c'est pas le meilleur frondeur. Ah mince, ouais, mais j'ai pas le temps de... Ok, j'ai pas le temps. Oh, puis il me remet là, carrément. Ok, je recommence. Donc, en fait, ne pas me laisser... Merde, j'ai raté. Moi, je me laisse distraire par... Oh non, j'étais presque. Allez. Ouais, ça sert à rien de se cacher par là, mais... Là... Oh la vache, deux coups et j'y passe, quoi. Donc j'ai intérêt à faire vite. Mais j'ai l'impression qu'il... C'est le second dog, là, oui, c'est ça. Un jour sans fin. Un coup de fronde sans fin. Voilà, et l'autre. Voilà. Ce que je peux peut-être faire, c'est repartir en mode... En mode cachons-nous, quoi. Ah la vache! Ah c'est vraiment... Le timing est ultra... Et ça fait que commencer. Ultra serré. Oh la vache! Ils sont impitoyables. Je suis pas sûr de pouvoir me recacher. Non, pas menu principal. Je suis pas sûr de pouvoir me recacher à chaque fois. Ils utilisent mieux la hache que Sharingals. On est d'accord. Alors d'abord lui. Ah, ça, en fait, le problème, c'est que
Je relâche trop tard et du coup l'autre a le temps de me shooter, il interrompt mon lancer de fronde. J'ai l'impression que si je laisse pas tournoyer la fronde assez longtemps, ça marche pas non plus. Mais quel boulet, c'est pas possible! Le jour de la mort, tu revis en permanence les mêmes événements, c'est ça. On fait péter le compteur de mort, heureusement qu'on l'a pas mis en route, Malex. C'est mieux pour tout le monde. Oh la vache. Mais merde, oh merde, et puis je peux pas esquiver en fait. Il faudrait que je m'occupe d'abord celui de gauche parce que lui il interrompt mon mouvement et ça c'est pas bon pour moi. Voilà, et maintenant l'autre. Ah la vache! Pas encore mort, ah si. Voilà, faut que je... Faut vraiment bien charger le mouvement, quoi. Ok, maintenant je vais me planquer. Est-ce qu'il est tombé? J'ai un doute. C'est bon, c'est passé. Oh merde, il a une flèche dans le cul, il est dans le cul, il n'y a pas d'autre mot. Allez, j'y retourne. Oh, j'ai vraiment tapé les mêmes ennemis toute la soirée. À peine dans la pénombre, alors bon, j'espère que j'ai une quantité illimitée de. Merci, j'ai un token. J'ai une quantité limitée, j'espère. Voilà, j'ai trouvé des vases. Mais ça se tentait. Il voit à peine dans la pénombre. Heureusement, au bout d'un moment, ça se verrouille en fait. Je me débrouille bien. Oh, je veux pas cramer ici. En mode furtif. En même temps, ça crame de partout, donc c'est chaud. Que ça a passé maintenant que j'en ai dégommé plusieurs, on dirait que oui. Ah oui, bah oui, mais c'est mérité, hein. Après tout, merci Guild Studio, merci à tous ceux qui nous rejoignent. C'est cool de. On est le fou plus bruit. Parfait. Voilà, ça rigole pas beaucoup. Donc de me faire cramer, assassiner. Ouah, juste à temps. Eh bah, oh, c'est beau, c'est flamme aussi. J'ai pas eu le temps de m'extasier, excusez-moi, j'étais stressé. Utilise la force, Marcus. Oui, c'est vrai, j'aurais dû. Aïe, aïe, aïe. Ah, petit. Faut sauver Dame Béatrice la pouffie. Vous êtes dur, t'es dur à cadeau. Faut éteindre tout ça maintenant. Ah oui, bah c'est pas un jeu de simulation d'incendie, donc simulation de fronde pour le moment. Ce qui est déjà pas mal. Le barbuck a dégénéré. Il est beau ce passage. Oui, si tu sais, vraiment. Je trouve que... De toute façon, depuis le début, c'est magnifique, quoi. La quiétude, les beaux paysages, la lavande, les cigales, et puis après les.
truc un peu glauque qui arrive. Mais non, franchement, là, ils ont fait un super boulot, quoi. Et puis, je sais pas comment expliquer, mais il y a un côté vrai. Dans les décors, ça fait pas... médiéval fantastique, ça fait juste médiéval réaliste, quoi. Du comte de Provence, c'est un seigneur très très puissant. En tout cas, c'est magnifique ici. C'est vrai que c'est beau. Vacances en Provence. Merci Citizen Sky, c'est gentil. M'a dit qu'il allait préparer une maison pour nous. Une maison toute entière? Oui. L'ordre est très ancien. Il possède. Mal coiffé ce petit, comme. Ils ont construit le laboratoire. Les cigales, c'est Steven. Steven Seagal. Bien, oui. Bien sûr, oui. Louis Lambrouille. C'est gentil de nous donner une maison. Ah, je m'aperçois que j'ai laissé Marcus, le dieu de la grandotitude, en petit synthé. J'ai oublié de changer. Sa majesté nous permet-elle d'entrer dans la ville? Eh ben, c'est trop tôt. Je le permets. Ah, bon, ça va mieux le moral, apparemment. Non, mais c'est vraiment joli. Je pense que... Je connais pas la Provence, très mal. Imagine que c'est des vrais endroits en fait. Va jeter un œil avec lui. Merci. La maison est située sur les hauteurs de la ville. On va manger des melons. Elle a une girouette. Ils ont un peu des cheveux bizarres quand même. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils ont raté leur teinture, on dirait. Donc est-ce que c'est des rats ou des surmulots qu'on voit dans le jeu? Écoute, c'est pas à Paris. Alors, il y a quelque chose qui te plaît? Donc c'est pas des rats. Donc des surmulots. Il y a sûrement plein d'autres choses à voir. Ah, j'aimerais manger une pastèque. Eh bien, tu as envie de voir quoi? Je veux tout voir. On va essayer. Est-ce que vous vendez des pommes, ma bonne dame, Mamie Nova? Oh là, alors elle est presque morte. Il y a des nuées de vautours qui tournent au-dessus d'elle. C'est pas bon signe, madame. Elle doit être très malade. Ça se voit pas, mais ouh. Faut pas rester là. Une poule, des chèvres. Je suis pas mignon. Balance ton porc. Oh, une oie. Oh, c'est Goose Game en fait. Salut les amis. Qu'est-ce que vous faites? Vous pêchez? Alors, j'ai essayé de le voir, mais il est transparent quand je suis trop près. Je voulais voir s'il avait un gros nez. Ah oui, ça m'a l'air assez conséquent quand même. Aïe, c'est monsieur gros nez, je me doutais. Merci Silver Brut. 1989, l'année de naissance. 89, eh ben j'ai commencé à travailler en 89, tiens. J'ai eu le bac en 85, je commence à travailler en 89. Bonjour, qu'est-ce que vous avez sur les genoux? Des castagnettes, des saucisses, des brochettes? Elle a, mais c'est pas possible d'être aussi con. J'avais adoré le level sur Ultimate Goose Game, Untitled Goose Game. Ah oui, c'est vrai. Ah bah écoute. Là, tu as vu, il y a Goat Simulator 3 qui vient de sortir. Génial, ils ont jamais fait le 2. Ils passent du 1 au 3. Ça reste dans le délire. Donc, je pense qu'on le fera aussi bientôt. Ah. En plus, il y a un mode multijoueur sur Goat Simulator. Donc, ça exclut qu'on se fasse une soirée chèvre. Première partie offerte. Et bien sûr, je vous ferai gagner un fromage de chèvre. Ce sera logique. Tant attendu. Les enchères vont aller bon train. Bonne gens, le comte Victor d'Arles vous souhaite une excellente foire de la Saint-Jean. C'était Twitter à l'époque, ça. Voilà. C'est comme ça que ça marchait. Il avait droit à plus de 150 signes. Et nous... Oh, petit canard. Je voudrais aller voir cet étal. Nous stock commence à baisser. Tu as vu? Quoi? Les gens d'ici. Il sourit. Ah, c'est vrai. Ah, ils ont pas encore la peste. La maison avec la girouette, c'est la nôtre. Oh, juste au-dessus du marché. Ouais, la vue va être superbe. J'aime bien, moi, les trucs comme Assassin's Creed où il y a plein de personnages. Essayez donc. Petite ambiance. Oh, les belles tapisseries. Madame, et si vous changiez de coiffure? Non, merci, elle me plaît bien comme ça. Oh, tant mieux. La chevelure d'une dame est un précieux trésor. C'est bien dit, oui. Tes cheveux sont très bien. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ah, ils ont un bras de fer. D'accord. Lui, il épluche, je ne sais pas. Quel fruit et légumes, mais c'est énorme. Lui, il fait de la poterie, il peint ses poteries.
Ah non, vraiment, c'est fascinant, quoi. L'impression de voyager dans le temps, j'adore ce genre de truc. Tous les meubles sont vraiment magnifiques ici. Et j'avais une armoire comme ça dans ma chambre. J'aimais me cacher dedans. C'est vrai, oui. Regarde les couleurs. Ah, c'est vrai que c'est beau, ça donne envie de faire ses courses. Michel Drucker, c'est 1780. Prends quelques pots d'avance. Ah oui, c'est vrai, je pourrais acheter des pots. Oh, tu connais ton herbier, toi? Je connais que les fleurs. Ma maman m'a appris. On les garde dans un livre à la maison. Veux-tu en acheter dans ce cas? Merci, mais... Ah, du coup, c'est Raiden dans Mortal Kombat. Attention, petit, tu vas prendre un coup d'électricité. Merci, Tali Pixie, c'est gentil de t'abonner. Oh, des colombes, ben non, mais franchement, c'est bourré de détails. Même les casseroles et tout, font bien d'époque. Ah, du poisson. C'est ordre alphabétique dans le village d'Astérix. Il y a du beau poisson, hein. Venez jouer. C'est gratuit. Ah, bah si c'est gratuit, ça m'intéresse. Ah, puis il y a des pots. Qu'en dites-vous, madame? Vous avez l'air d'une gagnante. Oui, on dirait Bord dans Kaamelott. Alors, quelles sont les règles? Vous avez 4 tirs pour renverser autant de cubes que possible. Compris? Ah bah d'accord. Prête? C'est comme à la foire chez nous, Amicia. Alors, je vais prendre un pot. Allez. Ah, pas mal. Oui. La tour à gauche, là, me paraît pas mal. 4 tirs, il a dit. Ouais. Fort. Oh, c'était bien, tu rigoles? C'est con. C'était parfait, mon lancer. Pas. À côté, c'est dommage. Voilà. T'en as touché plein. Évidemment. Ben oui. Qu'est-ce que tu croyais? M'a pas vu avec la fronde tout à l'heure. Et t'as même pas utilisé ta fronde. Je pense qu'on devrait y aller. Merci. Au revoir, monsieur. Meilleur souvenir. Un nouveau souvenir. Meilleur joueur. Très bien. Pas tous les jours que ça m'arrive, alors j'en profite. Une ville sans voiture, Anne Hidalgo est la bourgmestre du village. C'est possible. Alors, on n'a pas encore vu les rats. Ça va être mauvaise langue, mais... Alors, qu'est-ce qu'il vend, lui? Ici, ça discute. Oh là, c'est quoi? Cracheur de feu. Oh! Pas mal. Peut-être des dragons. Allons voir notre ma maison. Bonne femme. Ça devrait être un peu plus haut. Hey, ta mère, c'est un dragon. Partager ma chambre si tu veux. Tu n'en veux pas une à toi? Je sais pas. On se retrouve après. Mais ma comme garde, ça, on pourrait. Ah là, ça drague. Oui. On se retrouve après ma garde. Depuis que le comte a renforcé les pouvoirs du capitaine. Merci Jedi, c'est gentil. Ça dragouille, je les garde très bien. Ah non, mais vraiment, je pense qu'ils ont dû prendre des. Ils ont pris des vrais paysages parce qu'il y a vraiment... Tout fait vrai, quoi. Fou. Il a la gorge en feu. Tout à fait, Gerardoko. C'est pas ce qu'il a fait. Il a abusé du pastis, peut-être. Oh, il joue de la musique. Oh, je vois rien. Je veux bien le porter sur mes épaules, mais... On aura pas mieux la musique. Allez, viens. Hey, tu es sympa. Tu vas monter sur mes épaules. Voilà. Ah oui, s'il te plaît. C'est parti. Tu vas comme tu veux là-haut. Oui, je peux tout voir. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Le truc qu'on fait tous quand on est parents. J'ai une vidéo de moi avec Charles. On allait. Il y avait un opéra dans ma ville. Et on est allé voir Carmen, carrément. Et il était sur mes épaules. Il tapait dans les mains en rythme et tout. Il avait ultra kiffé. J'ai gardé un bon souvenir de ça, quoi. Et hop, un tour de rat. Alors, oui, c'est ça le problème qu'il y a, c'est que après ce genre de truc, pendant 2-3 semaines, t'as un mal de dos absolument épouvantable. C'est vrai que il y a de l'urgo dans l'air, il y a de l'air dans l'urgo. Ah, oui, bah écoute, Hugo, on a du travail, les gens nous regardent là. Et... Ils n'ont pas payé un abonnement de Twitch pour te voir monter sur mes épaules. Ils préfèrent qu'il y ait de la bagarre. On va aller faire la bagarre.
mauvaises choses. Les mauvaises choses? Oui, tout ce qui se passe dehors. Je pense qu'ils savent, mais ils se sentent en sécurité ici. Toi aussi, tu verras. Bah, ça a pas mal tourné, c'est vrai qu'elle est, elle est joyeuse, cette ville. Ici, ça fabrique des tonneaux. Bon, je vais te reposer un moment. Oui, parce que quand même... Laisse ton poids, le petit Hugo. On se dépêche un peu. Oui, j'ai hâte de voir la maison. Je me demande si elle est grande. Moi, j'espère qu'on a des vrais lits. J'espère qu'on voit le marché depuis ma chambre. Une chambre de roi, bien sûr. Bien sûr. Merde, va. Tous les autres, ils vivent sur une paillasse. Quelqu'un est fatigué. Oui, il veut sa chambre avec... Avec vue sur le marché. Vous êtes là. Comment c'était? Ils ont tout ici. C'est vrai. Il faudra qu'on y retourne ensemble. Bien sûr. On a besoin d'herbes fraîches. Oh la vache. C'est impressionnant quand même. La vue et tout. Impressionnant. Pas de clipping? En tout cas, j'en vois pas pour le moment. Franchement, c'est bluffant. Vraiment réussi un truc super. Regardez. Je crois... qu'on peut appeler ça chez nous. Oui. Sans clipping. Chez nous. Une vraie maison sans clipping. Je n'ai pas dit ces mots depuis un bout de temps. Oh, c'est chouette, c'est chouette. Ça vous plaît? Moi, j'ai kiffé, hein, vraiment. Je crois que ça défonce, Game of the Year. Eh hey, oui, oui, oui. Pourquoi pas? Bien sûr. Rentrons voir l'intérieur. Après, God of War défonce vrai. Encore plus. Et Elden Ring nous a fait vibrer pendant... 4 mois quoi, pendant 4 mois, tout le monde ne parlait que de Elden Ring, ça a été un truc de fou quand même. Game of the Year serait plus Elden Ring. Là, je pense que c'est très français, c'est un studio français, donc on est peut-être un peu chauvin, on se dit waouh, ouais, bravo, et c'est vrai que franchement, pour un studio français, pas de la taille d'Ubisoft en plus, hein, c'est un bon studio, mais c'est pas non plus immense. Je trouve qu'ils ont réussi un truc de fou quoi. C'est beau. On joue sur PS5, Noop. Viens, allons jeter un coup d'œil. La dernière fois, j'ai essayé sur Xbox oui. Normal, dans le cloud. Ça marchait très bien l'entraînement, mais quand j'ai voulu streamer en même temps, les choses ont mal tourné. En haut, le lit est prêt. Merci. Allez, viens, mon petit Loire. Ah oh oui, il a fatigué, les yeux rouges, chonchon, là. Faut lui dire une histoire et au lit. Tu dois venir, Amicia. Venir où? Sur l'île. Tu seras guéri aussi. Guéri? Oui, ce serait bien, c'est vrai. Vraiment bien. Je regarde les visages, je scrute les visages. Encore un petit truc qui va pas, mais franchement, on n'est pas loin. Tu réfléchis trop. Parfois, il faut simplement se fier à son intuition. Le jeu en VR, ça doit être puissant. Ah, ouais, il serait pas mal, Disquequette. J'ai du mal à comprendre. Pas que ce soit l'ordre du jour, mais... La matière obéit aux lois de la nature. C'est vrai qu'admirer les paysages en VR, là, ça doit être un truc de fou, quoi. La logique, Lucas. Sois simplement humain. Peut-être... Nono trouve que le chara-design est bien plus beau que God of War. Ah. C'est même pour ça que tu doutes. En tout cas, ils font réaliste. Ça, c'est fou, quoi. God of War, Kratos et les autres, c'est des dieux, des demi-dieux, donc tout est un petit peu exagéré. Alors que là, je trouve que... Là, regardez, je suis d'un léger flou, et là, on a l'impression de voir... comment il s'appelait, Manon des Sources, Emmanuel Béat. Oh, petit chouchou, son acné qu'il reprend. C'est le choc. Ce qui s'est passé aujourd'hui a dû la réveiller. Le choc à pic. Nous avons eu 6 mois de répit après le deuxième seuil. Mais l'équilibre de son sang est très fragile. Amicia, pars. Faudrait le présenter à Ellie de Last of Us, à mon avis, ils auraient des choses à se dire tous les deux. Trouvez-le et dites-lui de venir. Salut Soseji, Sad, bienvenue. Content de voir des nouvelles têtes. Amicia, ici, c'est cool. Nous serons prudents. Depuis la Paris Games Week, en fait, on avait pas mal de gens qui ont découvert que je stream. Parce qu'avant, ils savaient pas. Expliquez, je suis Marcus de Game One. J'avais laissé cette étiquette. C'est à cause de ces fermes. Comme une particule de noblesse de Game One. Non. Et les gens vont pas me chercher ailleurs souvent. Alors, vous savez, mais. Mais plein de gens ne savaient pas que je streamais. Regarde la petite flag, j'ai trouvé ça beau, le reflet du soleil là, quand je suis passé. Le porteur par différents seuils. Et ce magistère Vaudin, il peut vraiment l'aider? L'ordre étudie la Macula depuis des siècles. Si eux ne et maintenant, il y a une petite. À l'heure, il faisait un beau soleil, et là, maintenant, c'est. Il y a un petit peu de brume.
C'est chouette. Allez, allons chercher des secours. Alors le lag, moi j'ai pas de lag ici. Mais j'en vois sur mon retour de stream. C'est plus mon stream qui merdouille. Pourquoi Vaudin ne s'est pas déjà présenté ? Et d'ailleurs j'ai pas vérifié si... L'ordre fonctionne comme ça. J'ai pas vérifié s'il y avait dans les options... Genre performance, je sais pas quoi là. Ils font souvent. Du mouvement, aberration chromatique. Non. Ok, non. Ok, il y a pas. Dans God of War, par exemple, on choisit entre la fluidité et le détail. Et là, bon, tout est réglé automatiquement. Ah, excuse monsieur, pardon, j'avais un petit peu bousculé. Un garde. Je vais lui demander. Ah là, moi j'ai eu un lag. Vous l'avez peut-être vu. Bonjour. Pardon, ah, mais c'est le garde qui dragouillait. Magister Vaudin. Je connais un messire Vaudin, mais pas de magister. Allez donc voir les fleuristes au marché. Il me semble qu'il leur rend visite de temps en temps. Merci. Alors les fleuristes, on n'a pas vu de fleuriste tout à l'heure. C'est un début. C'est évident. Il ne peut pas utiliser publiquement le titre qu'il porte au sein de l'ordre. Et ça danse dans les rues, là, mais c'est la fête. C'est la fête au village. Manque plus que les musclés, on va voir Bernard. Bernard sur scène en train de chanter, comme dans tous les salons. Tu es sûr que tu sais où est cette fleuriste ? On pourrait peut-être demander... Là, c'était des fleurs tout à l'heure. Voilà. Rebonjour. Oh, Reden, là. C'est encore vous ? Des fleurs. Vous cherchez des fleurs pour le petit ? En fait, nous cherchons Messire Vaudin. Je crois que c'est un de vos clients. C'est un client de mon mari. Ah. Les herbes médicinales... La mère y est partie. Mais Martin devrait se trouver... On pourrait renommer le jeu Lag of Tal. Of Tal, oui. Une tunique brune. Merci pour votre... Bah écoutez, franchement, à part tout à l'heure là où j'ai un petit lag, ça vient plus du stream que du jeu lui-même, en fait. Trouver le mari de la fleuriste. Ah mince, j'ai pas écouté ce qu'elle a dit. Il est où son mari ? Quelqu'un a écouté ? Arlette le laguier. Tu vas trop loin, Fissager, tu vas trop loin. Alors son mari, bah elle est sûrement au bistrot. Il le fera. Elle est où la poulette ? Il est parti chercher la gueuse. Il est au fond à droite, dit. C'est une gamer. Le mari est près de la fontaine. Il a un chapeau, son mari. Ok. Ah, voilà un gars à chapeau. Pardon, monsieur, c'est votre femme qui nous envoie. Oh, qu'est-ce qu'elle veut ? Je dois nettoyer tout ça. Je suis occupé. Ce n'est pas pour elle. Nous devons trouver Messire Vaudin. Lui ? Il n'aime pas qu'on le dérange. Et moi non plus, d'ailleurs. Écoutez, mon frère est très malade. On doit le trouver immédiatement. Oh, d'accord, d'accord. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il habite près de la reine, là-bas. Et ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. N'ayez crainte. Merci. Bien. Il a un accent étranger suspicieux, ce mari. Près de l'arène, ok, bon, les arènes sont là. Allons-y. Le quartier de l'arène. Il y a beaucoup de maisons. Comment allons-nous le trouver ? Il y a du grabuge dans l'air, je le sens. Oui, j'ai interdit aux enfants de... Du grabuge. Tout dit ? L'ordre est riche, que fait un magistère dans un endroit pareil ? Il se cache sans doute ? Oui, sans doute. C'est vrai que c'est pas l'endroit le plus glamoureux. Ce symbole sur le mur. L'ordre ? Oui, il est là. Défense d'entrée, l'arène est fermée au public. Ah. Et pourquoi donc ? Parce que le comte de Provence l'a ordonné. Maintenant, circulez ! Écoutez, j'ai... Écoutez, Cyril Hanouna, laissez-nous passer maintenant, ça suffit. On va faire le tour de la... Vous êtes habillé n'importe comment, comme d'habitude, avec un jogging jaune à rayures genre les Dalton. Vous n'allez pas nous interdire l'entrée de l'arène, hein. Soyons clairs. Merci, Lec Gaming, pour l'abonnement. Jetons un coup d'œil aux alentours. Tu as raison. Mais on va trouver un petit... Il y a une porte. Ah, un âne. Oui. Alors, où est-ce qu'il y a... Merci, Edith. Où est-ce qu'il y a une porte? Là-haut, il a dit. Là, peut-être là. Je vais pas me prendre un coup de pied de l'âne. Est-ce que je peux pas monter sur cette caisse? Non. Ah, bah là, il y a une... Tu vois, tout simplement. Tout simplement, merci pour ta fion. Oh là là, ça abonne de partout. Merci, les amis. C'est pourtant pas un moment où je suis en danger. Je sais que vous aimez vous abonner au moment où... Merci Bigal, alors c'est peut-être une vague de subs que quelqu'un a offert, alors peut-être.
dans ce cas, auquel cas je remercie, je ne sais pas. Je ne sais pas détecter ça. Allez. Je vois pas où ça s'affiche en fait. Merci, super sympa. Oh là là, une tournée générale là. C'est pas possible. En tout cas, merci à tous. Ça fait plaisir. Alors, j'ai ouvert cette porte et je me suis évanoui. Non, ça va, c'était juste un temps de chargement. Est-ce que c'est là? La morsure? Oui. Ils ont condamné la... Oh, là, c'est pas le seul à avoir une vilaine peau. Merci, Bernard. Ça a déjà commencé. Hugo, on l'a amené ici. Allons trouver Magister Vaudin. S'il n'est pas déjà... Merci, Thériose. Comment ont-ils pu les laisser pourrir ici? Ces gens ont l'air pauvres. Ils doivent venir des taudis alentours. Ça avait commencé plutôt de manière joyeuse, et là... Personne n'a pu remarquer leur disparition. L'indifférence... Même ils s'est crevé des cochons. Oh, dame avec son bébé là. Oh. On n'empêche que c'est joli. C'est magnifique cette arène. Là, un autre symbole. Bon, il n'y a plus qu'à entrer. Les raies de lumière, ça me fascine, moi. C'est facile, hein. Vous voulez m'oublier, vous mettez des raies de lumière qui fuient entre deux planches. Il y a forcément un moyen. Et vous savez que ça marche. Ça pourrait servir. Je vais t'aider. Je vais t'aider comme on ne t'a jamais aidé. Je vais pousser ce bloc pour qu'on puisse grimper. Lucas. Mais où ? Ces gens ici ont été mordus. Ça veut dire... Pas forcément. Un malade aurait pu l'amener à l'intérieur de la ville. Alors, est-ce que je peux... grimper par là ? Où est-ce que je peux... Merci, Skratosaurus. Est-ce qu'il y a un endroit? Ah bah voilà, là, très bien, ok. Bien petit, reprenons cette conversation et ce gros paquet. Voilà, merci Pedro. Ah, c'est Vinra qui offre des gens à tout le monde. Merci Vinra, c'est vraiment gentil. Ah bah pour une fois que j'arrive à le voir. Trop bien. Merci D'Artagnan, c'est gentil. Alors, je voudrais... l'amener là-bas, donc on va tourner. Voilà, pivote. J'ai l'impression de déménager un canapé. Allez, voilà, pivote. Parfait. On a réussi. Appelez-moi pour les déménagements si vous avez besoin. Vous êtes devenu un expert. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va voir. Je le connais pas. Je le jure. Espèce de... Oh non. Est-ce que j'ai ma fronde? Ah. Qu'est-ce qu'on va faire? On continue. Pas un bruit. C'est un jeu où il y a beaucoup d'infiltration quand même. Tu es seul. J'ai tout mon temps. Faut aimer le genre. Mais moi j'aime. Cette brute n'est pas un soldat. Mais il en a l'habit. Pas une seule pièce. Non. Combien c'est? Je vais plutôt chercher notre homme. Si je le trouve, j'aurai une récompense. Ils ont tous des casques. Merci ce salaud de comte qui t'a laissé crever ici comme un chien. C'est moche de mourir comme ça. Montez là. Ouais, ça sert à rien de monter là. Alors, je vais m'équiper d'un pot de chambre et je vais le jeter au loin. Carrément là-dessus, tiens. Ah bah non, j'ai pas eu le temps de... Excusez-moi, je... Ah mais vu comment il est armé, je peux rien faire. Barrons-nous. Oh là là, je me jette carrément dans la gueule du loup. Je pense qu'il y a des moments où il vaut mieux fuir. Là, ça fait un peu cul-de-sac. Là, je peux me cacher avec les chèvres, mais ça va pas résister. Ça va pas marcher longtemps, mon subterfuge. Voilà, ils sont derrière moi, je sens leurs yeux jaunes. Ça, c'est un beau cul-de-sac. Oh là là!
Ah, j'ai pas contré à temps. Je vais casquer pour l'évocation. Tu vas nominer Dark Citrouille pour. Tu vas casquer pour les pots cassés. C'était parfait. Alors. On repart d'où ? Hors de là. Se mettre là, on va récupérer ce petit pot. Et on va essayer de faire diversion. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est redressé? J'ai vu un truc bouger. Ouh, c'est moi le truc. J'ai repéré des intrus. Oh, ah merde, ça recommence. Alors, suivez-moi. Un labyrinthe là-dedans. J'étais là il y a une seconde. Mais j'étais là avant vous, monsieur. Ah non, bon, ok. Oh là là, ça... Oh, je peux quand même lui mettre un petit coup. Peut-être pas à tous, ils sont un peu trop nombreux et je sais pas, mais... Les yeux jaunes, c'est le foie qui fait ça. C'est possible. On peut pas le pousser dans le puits. Ah, j'ai pas vu de puits derrière. Alors attends, là j'ai fait une fausse manip. Ah, c'est de ma faute. Moi, je voulais ramasser un bol. Voilà. Je voulais l'équiper. Et je voulais viser ce truc là. C'est ça. Attends. Qu'est-ce qui fait ce boucan? Voilà. C'est mieux. Merde, 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 merde. Oh là là, la filtration. En fait, d'habitude, la filtration avec moi, ça tourne mal, mais après, je peux passer à de la castagne, quoi. Or là, ils sont pas assez costauds pour castagner. Ah là, là, il y a une porte, là. Ah mince. Mais en tout cas, j'ai repéré qu'il y avait une porte, ce qui n'était pas le cas la fois d'avant. Bon, je reviendrai. I'll be back. Essayer de détourner leur attention par là-bas. Voilà, peut-être qu'on va attendre qu'ils se calment. C'est bon, ils se sont calmés. Il y a une porte au fond à droite, la poignée est en surbrise. Eh oui, j'ai vu, mais trop tard à C6. Ils sont vraiment très près. On va pouvoir passer par là-bas, je pense. On y retourne à cette petite porte brillante. Je trouverai rien du tout ici. Encore. Vous êtes par là ? Par ici ! Attrapez-les ! Oh, vite, vite, vite. Ah, très bien, on a barricadé. Ouf. Ça va, on sent que ça sent pas très bon, oui. Oh. Oh. On est dans un tas de cadavres. Oh. Pitié, non. Là-haut, on dirait qu'on peut rentrer par là. Trouvons. Ah, je vais vomir. Oh la vache. Oh là là, mais tout le monde est mort là-dedans. De moitié de chariot ici. Mais il n'est pas assez haut. Je pense qu'il déplaçait les corps avec. Alors que faire? Plus on est quand même poursuivi. Peut-être pas trop traîné. Ah, une autre porte.
Non, celle-là ne s'ouvre pas. Ah bah là, ça sent pas bon. C'est exquis, ces cadavres. Oh, bien joué, les fondus qu'elles sont marrons. Est-ce que je peux grimper là? Est-ce que je peux lui faire la courte échelle? Non, visiblement. Ouais, je ramène un chariot ici. Comme j'ai fait tout à l'heure, sauf que j'en vois pas. Oh! Puis on n'a pas trop envie de traînasser par ici en même temps. Alors, il n'y a aucune des portes qui est ouverte. Je peux faire quelque chose avec ce chariot. Faut filer sur celui-là, non, ils ont mis des pics. Parfois on regrette que Jay soit trop réaliste, oui c'est vrai. Le cochon ça a l'air de lui plaire. Et c'est vrai aussi. Ah bah le cochon il est tranquille lui. Dans son élément. Alors. Bah je peux pas bouger ce chariot là. Pas grimper dessus. Alors on est passé un peu vite, mais en même temps c'était tellement dégueulasse. J'avais pas trop envie de rester par là. Ah, je sens presque l'odeur de. Comme une odeur des tables. On est plus à butonner ici. Je vais nominer jaune devant, malo derrière. Un pour son pseudo, j'avais pas vu, mais il est top. Et ils font peut-être des pizzas butonnées. Je le nomine aussi pour la vanne, mon dana. Comme la semaine dernière, double nomination. C'est extrêmement rare. Ça a fonctionné la semaine dernière. Qui dessus du demi-chariot, Marcus? Peut-être qu'on pourrait faire descendre cette cage. Intéressant. Ah oui, pas bête. Est-ce que j'ai ma fronde aussi? Cette cage là-haut semble être de la bonne taille. Ah bah très bien, alors. Elle est remplie de cadavres. Ouais, c'est glauque, mais... Ne regarde pas. Alors, comment faire pour... Là, j'ai des cailloux, mais j'ai pas ma fronde. Ah bah voilà, pierre à la fronde. Voilà. Voilà, et ça, on va l'amener là-bas. Merci, les petits amis. Je sais que je peux compter sur vous à chaque fois, ça c'est quand même top. C'est un massacre. C'est nous qui l'avons amené ici. On les a condamnés. La Guyane est toujours touchée. Ça a déjà commencé à se répandre. Oui, mais ils auraient dû la voir venir. Ça n'aurait rien changé. Allez, on pivote. Le cochon pourrait nous aider là au lieu de se goinfrer. Ah non, non, je pivote du mauvais côté. Allez, allez, allez. Voilà, et maintenant on avance. C'est vraiment... C'est glauque, mais c'est classe. L'espèce de brume un peu dégoûtante. On sent que ça sent mauvais, quoi, en fait. Merci, Dadjef666. Ah, le fils du démon. Voilà. Et là, on peut monter, normalement. Non, je vais pas le prendre, je veux grimper dessus. Ah, faut peut-être le mettre pile poil en dessous, c'est ça. C'est très précis. Allez, voilà, voilà. On y va, vite. Voilà, c'était vraiment très très précis. Il y a déjà tellement de morts. Alors oui, d'un prévient, quand vous êtes nominé pour le meilleur pseudo, la meilleure vanne, vous envoyez un petit message à New Dindin, s'il vous plaît, qui va vous recenser. Ça veut, je parle de recenser. Alors on recense pas les morts, on recense les meilleures vannes et les meilleurs pseudos. Ce qui fait que même si vous partez avant la fin du stream, au moment où on décernera vraiment le prix de la meilleure vanne et du meilleur pseudo, on pourra vous retrouver. Donc laissez vos coordonnées à Dindin, votre mail, numéro de téléphone, ce que vous voulez, qu'on puisse vous prévenir si vous avez gagné. Je rappelle que ce soir, vous gagnez la version collector de Sifu, qui est absolument fabuleuse, avec une super figurine en plus. Le jeu est vraiment bien, hein, Sifu. Souvenez-vous, on l'avait fait, c'est vraiment top. Donc voilà, figurine collector, artwork et vraiment une super édition. Ça c'est pour la meilleure vanne. Et je peux pas vous le montrer là parce que je l'ai laissé là-bas, mais regardez sur Twitter, Marcus The Boulet, ZEBULET. Je l'ai pris en photo cet après-midi, comme ça vous verrez la qualité du truc. Et pour le meilleur pseudo, ce sera juste un petit gobelet classique, et ça je l'ai, et je peux vous le montrer, il est là, entre mes mains. Il partira la semaine prochaine vers vous si vous avez le pseudo le plus rigolo de la soirée.
Ça me dirait qu'il vaille. Ça fait très Star Wars. Oh là là. Ça y est, c'est reparti. Oh là là, j'ai cru que j'allais pouvoir l'esquiver. Bah pas du tout. Bon, voilà. Pas faire... Oh, je peux pas faire plus que ça. Ah, mais depuis quand j'ai une petite dague, moi? Bon, excusez-moi, monsieur, je voulais mettre un coup de dague, mais je sais pas trop comment. Du coup, j'ai hésité. Là-dessous, en attendant que ça se calme. Voilà. Attendre que la musique arrête de s'énerver, ce sera parfait. C'est bon, ils vont m'oublier. Une daguerie, ce jeu, ni Bernard Vicky. Alors, la musique s'est calmée, donc je pense que je peux sortir. Un peu lâche d'utiliser la musique comme indicateur. Ah, exit, on se cache. Je vais vous trouver. Où est-ce qu'il est? Attendez que je vous mette la main. Oh, il est juste là. Mais j'ai ma petite fronde. S'il a pas de casque, il y a moyen. Malheureusement, il a un casque. J'ai lâché ma... J'ai lâché ma fronde, mais au mauvais moment. Est-ce que je peux pas lui mettre un petit coup de dague? Ah non, j'avais qu'une dague, ok. C'est un peu comme les surins dans Last of Us. Ouf. Est-ce que c'est la porte du salut comme tout à l'heure? Hop, hop, hop. Eh non, eh non. Mais en tout cas, j'ai trouvé la porte. Ça vaut le coup de mourir pour pour découvrir où sont les portes à chaque fois. Allez, on y retourne. Pour le côté. Je tente la porte. Non, ça n'a pas marché. Je tente la fuite. Beaucoup trop de monde. Beaucoup trop de monde dans ce village. Ah, le petit a essayé de me protéger, mais ça n'a pas marché. Ok, faut vraiment... Mais c'est bien, je trouve. Me force à jouer l'infiltration, ce qui est très bien. Mais d'habitude, ouais, je suis habitué à l'infiltration qui rate. Et du coup, on passe à quelque chose de plus violent. Ah mince, encore. On m'a vu tout de suite, lui. Oh, l'archer n'a pas facilité la vie. Il y a une flèche dans le dos. Ah, ça pique un peu, ouais, je reconnais. Tu Gérard Larcher en premier. Oui, c'est vrai. Ah, le problème, c'est que je peux pas aller. S'il a un casque, je peux pas. Et lui, il faudrait que je fasse une petite diversion en fait. Est-ce que j'ai des pots encore? Ah, j'ai tenté de lui jeter un pot à la figure, ça n'a pas marché. Oh, ouais, c'est vrai que l'archer, il va falloir s'en débarrasser en premier. C'est pas très Coubertin, hein, tout ça, tout à fait. Tout à fait. Bon, alors soyons très 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 prudents. On va retourner se cacher là-dessous, puisque visiblement, lui régulièrement il fait sa ronde, il revient vers nous, voilà. Caché juste à temps. Il respire bruyamment, c'est Dark Vador.
Il a quelque chose qui pendouille entre les jambes. Je ne veux pas savoir ce que c'est. C'est moche. Voilà. Sortir là. Voilà, j'ai pris un vase. Pour plus facilement faire diversion. J'espère qu'il va faire demi-tour vers l'extérieur. Est-ce que je peux pas passer par ici? Ils sont peut-être là-bas. Oui, voilà, va nous chercher ailleurs. Il y en a un à droite, il y en a un à gauche. Peut-être passer directement là. Merde. Ah, merde. Je trouve une solution. Ah là là là, je peux pas en éviter deux. Regarde, il y a une fenêtre à gauche. Alors, je l'ai pas vu la fenêtre à gauche. Justement, je me demandais si je pouvais pas passer à gauche. Sans m'avancer, aller directement à la... Ah bah lui, il m'a grillé, j'ai même pas eu le temps de commencer, quoi. Oh, l'archer, il me casse les... Oh, non, y'a rien à faire. Ok. Préfet de Solid Snake. Oh non, de toute façon, il fait un carton. Bien joué. Bien joué. Alors là, je me suis fait griller, mais direct. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Je vais vite me recacher là-dessous, je pense. Voilà, parce que lui, il fait demi-tour aussitôt. Alors, j'ai pas vu la fenêtre dont tu parlais. Voilà, le gars arrive la queue entre les jambes. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai un seul pot, c'est pas beaucoup. Pas de pot. Littéralement. Là, je vois pas de fenêtre, là. Seule fenêtre qu'il y a, c'est celle-ci. Il y a un mec, là, juste devant. Peut-être qu'ils sont allés par là. Ouais, je puisse partir à gauche tout de suite. Sans me faire voir. Ah, voilà, lui, il est bien, là. Allez, je vais faire du bruit là-bas. J'en suis certain. J'espère qu'ils vont un peu nous oublier là. Hé, restez pas plantés là. On a des intrus. Aucun signe par ici. Voilà, le garde de droite est reparti. Ouf, j'ai failli y aller. Pas le bon moment. Est-ce que j'ai encore quelque chose qui puisse faire diversion? J'ai plus de peau. J'ai ma fronde. Oh, il va venir. C'est bon, c'est passé. Et l'autre derrière, il va arriver. C'est vraiment l'impression de... La porte sans faire de bruit. Ça doit être vous. Ouais, c'est bon, c'est passé. On a réussi. Ouh, eh ben ça a été chaud, les amis. Tous ces voleurs, tueurs, mercenaires, toute cette vermine qui se met toujours en travers de notre chemin. Le chaos gouverne nos vies. Ces gens en font partie. Et tu apprends à faire avec. Je le vois bien. Tu as été plutôt discrète là-bas. Oui, eh bien, mieux vaut épargner des vies que de risquer la mienne. Alors, qu'est-ce que je peux augmenter? L'agressivité, la prudence, l'opportunisme. Je vais augmenter mon agressivité quand même. Hein, si j'ai le droit. Ok, ça c'est le petit souvenir. Pied léger. Ok, mais pour le moment tout est fermé, j'ai pas de points à dépenser. Ok.
viendra tout à l'heure quand on pourra. Ah, ça augmente en fonction du style de jeu. Ok, c'est pas moi qui. Ah, c'est moi qui décide. Quoi, cet endroit ? Un hôpital ? Bah, voilà l'hôpital. Je crois qu'il vivait ici. Même les nôtres, ils sont quand même mieux entretenus. Je ne m'y habituerai jamais. Personne ne le devrait. Mais mon pauvre. Ah, je suis désolé, je pensais qu'on allait faire un stream joyeux. C'est plombant. On va finir complètement démoralisé, les amis. Allez, viens, on reste pas là. On va aller voir ailleurs. C'est vrai que la ville était plutôt joyeuse tout à l'heure. Là, c'est plus trop le cas. D'un au magistère et dans la plus haute tour, non ? Allons-y. Eh ben, on a du chemin à faire, mais on va y aller. Moto, tu étais malade, mais j'espère que ça va mieux. Je suis sûr de toi, ça a pas l'air solide, Amicia, quand même. Non, mais c'est le seul moyen. Fais très attention. Ne saute pas, ne saute pas. Oui, ça a l'air un peu pourri. Ces planches, oh le bruit, ça vibre dans ma manette, je sens même les vibrations de des planches pourries. J'ai quand même un mauvais pressentiment. Et voilà, oh le boulet. On dirait Ashley dans Resident Evil 4. Meuf qui fait toujours ce qu'il faut pas faire. Oh là là, ça sent le truc à la Nathan Drake, genre non 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 non. On va devoir courir en évitant les débris. Ah non, ils nous l'ont pas fait, c'est dommage. Ils auraient pu, ça aurait été sympa. Peut-être une coupure, il y a peut-être eu un moment où ils ont. Ne me frappez pas. Bon bah, pas notre genre. Calmez-vous. Nous ne sommes pas avec ces hommes. Vous habitez ici. Oh la tripaille partout. Incroyable. Oui. C'est Rick Dangerous, tout à fait, Kira. Oh là 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 là. Ça grouille dans ma manette. C'est Resident Evil maintenant, ça y est. Ne lâchez pas la torche. Tant que vous la tenez, ils ne peuvent rien vous faire. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Venez avec nous. Nous devons monter à la surface. Le soleil nous protégera. Calmez-vous, vous ne risquez rien. D'accord. Il n'a pas l'air convaincu, puis c'est vrai qu'il y a un peu de quoi flipper quand même. Ah, c'est horrible. Leurs petits yeux qui brillent dans le noir. Oh la vache. Ah, il y en a un peu beaucoup quand même. Et voilà, ça y est, on est parti en mode Uncharted. Uncharted à Paris. Non, 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 non. Oh, j'ai pas couru. J'ai pas couru tout de suite. Je reconnais, j'ai pas couru tout de suite. Je trouvais ça tellement joli, ce flot de rats. Le faux raccord. C'est un rat de marée. Oh putain, tout le monde a fait la vanne du rat de marée, c'est trop bien. Vous êtes trop fort. Ah bah carrément, je repars de là. Ok. Voilà, je vais passer et on va aller directement. Au moment où il s'agit de courir. Il faut être rapide, exactement. Allez, c'est parti. Cette fois, je n'attends pas. Oh. Oh mince. Alors là d'autres. On est fichu. Non, on a de la lumière. On est en sécurité. Ah, prends cette torche. Ça ira mieux. Calme-toi. Ne me lâche pas. Tu crois qu'on va s'en sortir? Il le faut. Soyons très prudents.
Voilà, éloignez-vous. Je le savais. Je t'avais dit qu'ils étaient ici. Ils sont des millions. Vache. Comment peuvent-ils déjà être aussi nombreux? Hugo, ils sont là pour lui. Oui. Elle a dit Hugo ou Anne Hidalgo? J'ai pas entendu. Ah, il faut que je... Voilà, faut que j'enflamme ça. Faire un peu de place. Comment? C'est un cauchemar. On va jusqu'à cette tour. On trouve Baudin. On le ramène à Hugo et on s'en va. Mon matériel. J'ai tout perdu en tombant. On traçant. Pas grave. Oui. Surtout ne fais pas tomber cette torche. Non, j'ai pas très envie, je t'avouerai. Mais je dois avoir les mains libres. Pas le choix. Je n'arrive pas à croire qu'on abandonne la torche. Je vais en trouver une autre de l'autre côté, regarde. Hop. Ça le termine. On fait quoi? Utilisons un bâton. Il va vite se consumer. On reste en ligne droite. Oui, la plus droite possible. Jeep. Oh, ça grouille vraiment de partout. Souriez, vous. Oui. Souriez, tu es filmé. Rien ne les empêchera de sortir. Ah, on va mettre un peu le feu là. Je récupère des bâtons. Hop, on va l'enflammer là. Voilà, comme ça on peut continuer. Ok, la musique avec des petits violons bien flippant, c'est parfait. On va se réfugier plus en hauteur. La flamme tient bon. Pour l'instant. Pour l'instant. Ben oui, j'espère que ça va continuer. Hop. Bien. Récupérer un bras zéro à la un bâton. On peut le faire. On va le faire. Là, une échelle. J'arrive, attends. Attends, j'ai mon bout de bâton. Si tu meurs, ça raconte. Peut-être. Ce bras zéro là-haut. Oh, la lumière va s'en pas l'échelle. Cet anneau a l'air plutôt fragile. Je le vois. Voilà. Oui, beau travail. Allons-y, vite. Je vais peut-être enflammer ça avant de partir. Voilà. Ce serait ballot de se faire bouffer les chevilles alors qu'on était si bien parti. Je crois que j'ai donné la torche. Enfin, haute. On se sent mieux. Ah, ça va mieux. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Non. Fais vite. On part. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ah, eh ben, les amis, quelle horreur ce truc. Puis on les entend toujours, ils sont en bas, mais on les entend toujours. Vraiment? Une poutre? C'est l'unique chemin. Eh oui. Oui, doucement. L'équilibriste. Oh. D'accord. Surtout, prends ton temps. Ah. Et voilà, je me doutais. Je le savais. Est-ce que ça va? Non, je suis encerclé. L'échelle, il faut que tu montes, vite. Oui, allez, ça m'arrive à moi. Allez, viens. J'ai besoin d'aide. Ils seront après moi. Reste calme. Où t'es? Tu es en sécurité. Pour l'instant. Je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais. Alors, on va le rejoindre. Oh putain, ça grouille vraiment de partout. Ah, j'ai plus de... Oh, la mort horrible. C'est horrible. Féline dans la tête dessus. Mais quel boulet ce gosse. On est d'accord? Oui. On est d'accord. Hop, vite. Voilà. Allez, reculez. Il faut que j'aille jusqu'au bras zéro. Et c'est vrai qu'il se consume vite le bâton par rapport au reste. Voilà, ça va mieux. Heureusement que quelqu'un a mis des fagots tous les 10 mètres. C'est bien urbain, bien pratique. Oula. J'ai besoin de lumière. J'y travaille. Est-ce que je peux prendre cette échelle? Je pense que je peux prendre l'échelle à moins d'avoir les mains libres. Non, je peux pas. Ok.
Vite, 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 je veux pas finir. Dévorer, faudrait que j'aille en face en fait, je pense. Allez, sautage miraculeux. Je puisse aller en face? Ah, je peux peut-être. Mais oui, bien sûr. Voilà. Voilà, c'est bon. Merci. De rien. J'essaie de te rejoindre. Deux minutes. J'ai besoin d'un bâton pour traverser. J'ai mis du temps à comprendre. Tiens, attrape. Allez. Parfait. Courage. Je vais en prendre un aussi. Tu vas y arriver. Ne panique pas. C'est un peu tard. Ah, voilà, le sale gosse. C'est horrible. Bah ben oui, sans toi, on serait arrivé beaucoup plus tôt. Alors, est-ce que je peux maintenant grimper si je lâche ça? Ouais. Allons-y. Le planter de bâton, le lancer de bâton. Tout à fait. On se rapproche de la lumière du jour. Peut-être qu'on se sera rapproché de cette tour. Ah, qu'est-ce que j'aime les portes dans ce jeu. Un peu comme Resident Evil dans les premiers, souvenez-vous. Une fois qu'on fermait une porte, les zombies pouvaient pas les passer quoi qu'il arrive, donc t'es toujours content de trouver des portes. Jusqu'à récemment Resident Evil 4 où tout à coup ils défonçaient les portes à coups de tronçonneuse. Et l'état d'Hugo empire à chaque seconde qu'on perd ici. Ta mère veille sur lui, tout ira bien. On arrive Hugo, courage. Il n'y a pas de rats? Non, mais ils étaient là il y a peu. Regarde tous ces corps. Encore chaud. Ils sont proches. Attention. Allez, donc on aura fait dans le glauque, les amis, ce soir. Spectaculaire. Oh. Qu'est-ce que c'est? Des rails dans le mur. On dirait un mont de charge. On pourrait sortir par là. Alors, comment ça s'actionne, cette histoire? Cette odeur, c'est du soufre. C'est une forge, une manivelle. Voyons à quoi elle sert. J'ai besoin de ton aide. Bien sûr. Je sens que ça va tourner ce bras zéro. Ah, ça fait très Uncharted. Allez. Waouh. Ah voilà, ça marche que dans un sens. Ok. Allez, on a levé la grille. Sauf que il y a beaucoup de monde. Regarde la plateforme, le bras zéro. Je pense qu'il est assez gros pour illuminer toute la pièce. Comment on fait pour l'allumer? Je ne sais pas. Salpêtre, soufre, alcool, tout ce qu'on peut trouver. Bien, les alcôves sont ouvertes. On y trouvera peut-être quelque chose. J'ose plus redescendre, moi. C'est du soufre, c'est ça? Oui, il y en a de répandus sur ces planches. Le coffre là-haut doit en contenir plus. Du soufre pur, ce serait parfait. Alors montons voir. Ah, là, il y a une petite échelle. On va faire bricolage. Maintenant, c'est MacGyver. On va créer des explosifs. Il y a un monte-charge. Est-ce que ça va? Oui, c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà, ah le truc redescend. Ça ne restera pas en place. Je peux t'aider? Bonne idée. Alors bah oui, t'as qu'à faire ça. Et moi je vais aller. Lucas, occupe-toi, tu peux arrêter maintenant. Ah bah non, vas-y. Lucas, tu peux t'en charger? Tout de suite. Tu peux laisser tomber. Ah non. Oui. J'ai besoin de toi, Lucas. Naturellement. Voilà, j'appuie un peu trop tôt. Hop. Voilà, c'est bon, je suis passé. Perds du temps. Et bah ça, je vais aller le foutre sur le chariot dès que j'aurai réussi à tourner. C'est pas évident. Voilà. Très Uncharted, ce genre d'énigme aussi, ouais. Ou Tomb Raider, enfin, pas les premiers à le faire. Voilà. À ton signal. Tu peux lâcher. C'est bon, arrête. Voilà. Bien sûr. Maintenant, ce truc-là, on l'emmène là-bas. Si tu veux venir m'aider, s'il te plaît. Faible femme. Même si j'ai survécu à 4000 gardes et 300 millions de rats.
La tour n'est plus très loin. Dès qu'on trouve Vaudin, elle... On ne sait même pas s'il est là-dedans. Et avec les rats et ses mercenaires... Hé hey. Une chose à la fois. Oui. Allez, allez. Voilà. Montez. Bien. Alors, tu trouves quelque chose? Ah, un coffre. Elle ouvre pas comme God of War. Oui. Enfin une bonne nouvelle. Ah. Bien. Il faut un autre élément et on pourra fabriquer de l'unifère. Tu te souviens? L'unifère. Ah ben. Je l'avais oublié. Pas qu'on allait faire un petit cours de chimie. Des stocks de viande. On a besoin d'un agent de conservation comme... Du sel. De l'alcool. Ah. Peut-être dans ce cas. Tout de suite de l'alcool, ah, bravo. Essayons d'occuper ces rats d'abord. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont un peu... Est-ce que ça passe là? Ne tombe pas. Merci Lucas. Oui, c'est vrai que j'avais envie de tomber en fait. Est-ce que je pourrais pas faire tomber cette chèvre pour qu'il la bouffe? Parfait. Mais ça les a bien occupés. Mais il faut autre chose encore. On vient de ce côté. On va voir. C'est qu'ils ont de l'appétit, les bougres. Rien d'autre à faire tomber. Ah si, peut-être là-haut. C'est d'autres jambons, ça, je vois pas bien. Non, apparemment non. Est-ce que j'aurais loupé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais leur amener ici? Ouf. Là non, on peut pas vraiment décemment descendre. Je peux pas encore bouger les échelles. Ils sont quand même nombreux sur cette proie. Mais il faut autre chose. Fais tomber le gosse pour passer. Mais vous êtes odieux! Vous êtes odieux! Balance dans la jambe du petit, ça les occupera! Alors, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais. Ça va leur plaire. Ah, il y en a un autre là. Voilà, un autre jambon. Fâche. Ils sont montés bien vite! Allons voir ce coffre! Je croirais qu'ils n'ont rien eu à manger depuis des siècles. Je pense que c'est le cas. Les femmes et les enfants d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Eh ben, il y a tout ce qu'il faut, tu vas voir. Une bouteille d'alcool. Oui. Oh ouais, bah, c'est servi là. Reviens. C'est cru. On en dort là ou... Je sais plus où c'est. Où on peut aller acheter de l'alcool pas cher. Oh là là, faut pas que j'aille par là. Mais par où je suis descendu? Il y avait une échelle là tout à l'heure, j'ai pas rêvé. Ah ok, je peux remonter là je pense. Ouf, je me suis fait peur tout seul. Bien, on a du soufre et de l'alcool. C'est une base idéale pour l'unifère, hautement réactive. Allez, mélange-les. L'unifère, ça faisait si longtemps. Ça sauve la vie. L'unifère. Alors, allons-y. Faisons de l'unifère. Sélectionner unifère, où est-ce que c'est? Au milieu. Sélectionner unifère, puis maintenant croix pour fabriquer. Alors attendez. Ah. Voilà, c'est ça. Voilà, et maintenant je peux lancer ça avec ma fronde. Lance-le sur ces braises avec ta fronde et espérons que ça marche. Bah, j'espère aussi, oui. Oh wow. Ah bah c'est plus propre. C'était hautement réactif, en effet. Merci Lucas, cet unifère sera plus qu'utile. Maintenant essayons de faire descendre cette plateforme.
Je crois que j'ai vu d'autres manivelles dans les parages. Jetons un œil. Voilà nos manivelles. Là-haut, sous les arches. Oui. Essayons. Je vois pas la manivelle. Ah, en bas, là où il y a les chaînes. Peut-être. Ah non, sous les arches. Là, il y a des arches. Ouf. Mais il y a quand même beaucoup de monde ici aussi. Waouh. Ça fait beaucoup de vieilles jarres. J'imagine facilement la foule égayée par le vin en plein combat de gladiateurs. Oui. Certaines choses ne changent jamais. C'est peut-être pas trop le moment de papoter, les amis. On rappelle qu'on est entouré de rats. Ah, là-haut, il y a encore... Là, peut-être qu'il faudrait que je le fasse tomber, maintenant. Ça n'a pas marché. Il faudrait que je prenne une fronde normale, voilà. Pas besoin de m'y faire, voilà. Parfait, et comme ça, j'avance. Il y a encore des rats. Ce pot en terre, là. Il pourrait concentrer l'effet de l'énifère et le libérer à l'impact. Vas-y, essaie. Espérons que ça marche. Ouf. Alors, n'importe quel effet peut être combiné avec un pot. Ok. Voilà le pot. Voilà. Est-ce que ça marche? Non. Du pot avec de l'énifère, je voulais. Un pot combiné avec une munition créera une large zone temporaire à l'impact. Sélectionnez le pot. Voilà, mais sauf que je l'ai pas bricolé mon pot là. J'ai plus d'énifère. Est-ce que je peux en construire? Non. Peut-être pas assez de matériel. Je vais voir si je peux retourner en prendre là-dedans. Voilà, là j'ai récupéré du pot. Ok. Donc normalement maintenant, j'ai de quoi construire. De l'énifère. Je voudrais mettre ça dans un pot. Un pot combiné avec une munition créera une large zone d'effet temporaire à l'impact. Sélectionnez le pot avec ça. J'ai le pot, mais j'arrive pas à mettre les munitions dedans. J'arrive pas à les combiner en fait. Bon, ça c'est mes capacités, ok. Je pense qu'on va avoir besoin de plus de lumière. Mets le feu au gamin et laisse le courir après les rats. Il n'y a plus rien à y faire. Je vais nominer Fornication Marron pour cette bonne vanne. J'ai entendu que mon téléphone avait vibré. Je pense que... Ah bah voilà, j'ai réussi. Je pense que Dindin m'a envoyé la liste des nominés des meilleures vannes. On va juste rajouter celle-là. Les meilleures vannes et les meilleurs pseudos. Et je vais regarder quelle heure est-il. Ah ouais, ça passe trop vite les amis. Je vais regarder tout de suite les meilleures vannes et les meilleurs pseudos. Mais comme je vois que la fête continue, j'en profite. Allez, déplaçons ce monstre. Ah, voilà, là c'est bien descendu. Oh, c'est beaucoup trop lourd. C'est à ça que sert la manivelle de l'autre côté. On a besoin d'être deux. D'accord, reste là. Je vais m'occuper de l'autre. J'attends ton signal. Alors, bah... Ouais, ok, très bien. On s'est compris. Si quelqu'un m'avait dit qu'on aurait nos propres jeux du cirque. Si quelqu'un m'avait dit que le monde serait sur le point de s'effondrer à nouveau. Alors, je vais prendre la fronde. Voilà. Des cages. Ils gardaient d'autres animaux. Pourquoi je sens pas les autres animaux? J'espère que c'est pas des tigres ou des choses comme ça. Je vais trouver ce vaudin. Il faut que tu t'accroches. Je fais tout ce que je peux.
Alors là-bas, il y a une autre petite. Est-ce que j'ai quelque chose à faire tomber? Non. Je pense qu'il vaut mieux pas que je traverse comme ça, si. Eh bien, la réponse est non. Alors, lui, il est sur la première manivelle. Moi, il faut que j'aille sur la deuxième. Allez, déplaçons. Ah, c'est beaucoup trop lourd. C'est à ça que sert la manivelle de l'autre côté. On a besoin d'être deux. D'accord. Reste là, je vais m'occuper. Est-ce que j'ai... J'attends ton signal. Prendre un peu de matos. Voilà. Je suis bien équipé. Allons-y. C'est ça, Amicia. Espérons. Si quelqu'un m'avait dit qu'on aurait nos propres jeux du cirque... Si quelqu'un m'avait dit que le monde serait sur le point de s'effondrer à nouveau... Des cages. Et le garder d'autres animaux. Voilà, un bras zéro. Là, je vais prendre un petit vase. Je vais t'aider, Hugo. Je vais trouver ce boudin. Donc, je dois pouvoir faire un truc typo explosif. Sauf que j'ai toujours pas compris comment j'avais fait tout à l'heure. Ok, ça a marché. Oh mince, mince, je suis con, j'aurais dû faire ça dès le début. Pourquoi j'ai pas fait ça dès le début? Ah, je fais pas les choses dans l'ordre. Ah, faut être attentif. C'est un jeu où tu déclares ta flamme. Et 1, et 2, et bras 0, dit un jeu. Bon petit, tu t'occupes du truc. Moi, je m'occupe du reste. Bon, il a pas fait le petit dialogue, j'espère que ça passera quand même. Ah non, non, non. Tu restes là, tu t'occupes de ça, là. Lucas, tu dois le faire. Voilà. Je ne peux pas m'y rendre. Oh, on en vient. N'exagère pas. Alors, je change de munitions. Je prends un truc inflammable. J'enflamme l'autre là-bas. Hop. Voilà, je récupère des petits pots. Je refais mon truc explosif. Ah, c'est laborieux avec moi, hein. Désolé, mais... Il me faut beaucoup de temps pour comprendre ce qu'on attend de moi. Voilà. Oh, oh, oh. Deuxième. J'ose pas... Oh non, 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 merde, j'aurais dû regarder un peu mieux. Oh, mais qu'il est con, mais qu'il est con. J'étais dans le noir, je me suis dit, oh, ça passe. Je comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps. Tout à fait. C'est vraiment ça. Alors, mon petit bonhomme. Lucas, c'est pour toi. Tu t'occupes de ça, Lucas. Et moi, j'ai fait un set énigme, mais ouais, je m'occuperai des meilleurs pseudos et des meilleures vannes de la soirée. Alors, allons-y. Je change de munitions. Je mets le feu là. Je mets le feu là-bas. Non, c'est raté. Je vais t'aider. Je vais trouver ce vaudin. Voilà. Je t'accroche. Je fais tout ce que je peux. Hop, des petits pots. Des petits pots, encore des petits pots, tout à fait. Je fabrique un max. Un truc comme ça. Je prends le petit pot et je le jette ici. J'avance prudemment. Voilà. Et là, il en reste encore. Ah, attends, c'est quoi ça? Ah merde, 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 j'en ai... Il y avait un truc, il y avait un jambon à décrocher, je l'ai aperçu dans la pénombre. Mais j'ai... comment? Avant la bête. Oui, Pixel. Ah, j'ai vu, il y a une chèvre qui pend. Mais je viens de la voir, en fait. Juste avant de mourir, je l'ai vu, la chèvre. C'est moi, la chèvre, hein, je suis désolé. Des moments où vraiment... En dessous de tout. On va y arriver. D'accord. Reste là. Je vais m'occuper de l'autre. J'attends ton signal. Alors, allons-y. Des flammes. Hop. Dégage.
et garder d'autres. Faire des petits pots, des ingrédients. Je vais t'aider, Hugo. Je vais trouver ce Vaudin. Mais il faut que tu t'accroches. Je fais tout ce que je peux. Je vais mettre le feu à ça d'abord. Merde, pourquoi je... J'y arrive plus. Ah, pourquoi je vise plus? Ah, j'en ai plus. Est-ce que je peux encore en fabriquer? Oui. Alors par contre, j'ai plus trop le droit à l'erreur là. Voilà, maintenant... Maintenant, un petit pot. Voilà, ici. Je peux passer. Et là, je prends juste la fronde. Et je vais viser la chèvre. La fronde. Vite. J'ai peur, j'ai tellement peur. Ben voilà. On voit pas bien dans le noir s'ils ont vraiment bougé ou pas. Est-ce que j'ai encore de quoi fabriquer? Non. Est-ce que ça passe? Je suis vraiment à la pénombre, alors je vois pas trop. Est-ce que je peux passer là? Merde, j'avais pas besoin de venir jusque là. Voilà, il y a un peu d'équipement. Des pêches au cas où ils se réveilleraient. Où ils finiraient leur chèvre un peu d'un poteau. C'est comme les T-Rex ou les Vélociraptors. On fait descendre ça et on file d'ici. Ah. C'est bon, Lucas. Allez, Lucas, au boulot. On va y arriver, les amis. J'en profite. J'en profite pour regarder les petits messages. Avec les meilleurs vannes et les meilleurs pseudos. Bah, on y est là. On a réussi. D'habileté et de patience. Ah oui, ça de la patience, vous en avez eu, parce qu'il faut supporter mes conneries. Alors, les amis, pour la meilleure vanne, donc il va repartir avec le coffret collector de Sifu, avec une très belle figurine et des artworks. Tu as vu comment ils sont chargés? Leur façon de bouger, ils sont plus rapides, plus agiles, plus intelligents. Mais on a réussi. Nous avions... Je vais commencer par les pseudos. Les pseudos. Donc, les gagnants du petit gobelet. Nous avons tout un fait. Nous avons petit café. C'est marrant, c'est assez raccord. Lenny Bar, j'avais pas vu si... si je l'avais vu, en fait. Oui, très bien. Et jaune devant, Malo derrière. C'est vraiment moche comme pseudo. Je ne sais pas lequel est le meilleur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Tout un fait, j'avoue que c'est pas mal. C'est sobre. Efficace pour une fois, c'est pas trop dégueulasse. Allez, tout à fait. Ce sera pour toi le petit gobelet de la soirée. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper de la meilleure vanne. Mais je vais d'abord sortir de là avec mon petit copain. Jusqu'à la fin du chapitre. Ok, une belle cinématique. Oui. Te dire au revoir. Ah, voilà. On s'est un peu rapproché, non? Un peu. Mais c'est mieux que rien. C'est beau, mais c'est loin. On n'est encore pas arrivé. Ok, bon, je vais m'arrêter là. On ira une prochaine fois, parce qu'il faut quand même que j'aille me coucher. J'ai pas mal de trucs à préparer pour demain. En tout cas, belle aventure, quoi. Allez, dépêchons-nous. Vraiment magnifique et surprenant, quoi. Et puis le côté infiltration me plaît beaucoup, j'aime beaucoup. Même si je suis nul. Amicia, il faut que tu vois ça. Je pense que ça va te plaire. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ah, hop, viens là. Oh, des plantes. Le gars va s'extasier devant une plante. Et toi, que fais-tu ici? Celui qui l'a planté ne la verra pas grandir. Hugo va l'adorer. Oh, une petite fleur dans les cheveux. C'est beau, c'est poétique. Et je crois que lui aussi en a mis une. Eh ben,
Voilà, bon, on va s'arrêter sur ce grand moment de poésie, les amis, et on va nommer la meilleure vanne de la soirée. Donc normalement, oui, ouais, voilà, là, mon dindin, il est rapide, il a tout rajouté, c'est parfait. Alors, nous avions, faut utiliser des ruches de Sioux. Au moment où j'étais dans les ruches, c'était juste parfait. Osier Joséphine, j'ai beaucoup aimé. Il est dans un mauvais délire, Hugo, là. C'était la petite référence à Hugo délire. Tu vas casquer pour les petits... pour les pots cassés, ça aussi, c'était bien vu. Ils font peut-être des pizzas butes, ni. C'était vraiment bien. Avec tous les cadavres, souvenez-vous, c'est vrai qu'on aurait dit des lasagnes Spanghero. Et il n'y a plus rien à inifier. Il n'y a plus rien à inifier. Oh la vache. Bon, comme d'habitude, très dur de choisir la meilleure vanne. Oh là 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 là. Oh, c'est dur, c'est dur. J'hésite. Il n'y a plus rien à inifier, c'était vraiment en dernière ressource. Faut utiliser des ruches de Sioux, c'était vraiment bien ça. Oh, c'était bien ça. Les ruches de Sioux, franchement, c'est brillant. C'était une vanne de Fessegger, les amis. Allez, mon Fessegger, il sera pour toi, le coffret. Je vais te l'envoyer, je dois déjà avoir ton adresse, c'est pas la première fois que tu gagnes. Mais franchement, c'est mérité, c'est un beau cadeau et c'est mérité. Et bravo aux autres qui n'ont pas démérité, il y avait fond du caleçon marron, Kira, Dark Citrouille, jaune devant, marron l'eau derrière. Ah mais oui, c'est vrai qu'il était nominé pour le meilleur van et le meilleur pseudo. Ah bon, bah reviens, tu gagneras un moment ou un autre, c'est sûr. Et fond du caleçon marron. Ah bah qui avait fait deux vannes. Eh, ok, parfait. Et ben voilà les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir été fidèle au poste malgré le changement de jour. La semaine prochaine, on remet ça le jeudi, comme d'habitude. Et franchement, bah, on s'est régalé. Franchement, je kiffe ce jeu. Je trouve vraiment assez incroyable. Je sais pas encore ce qu'on fera la semaine prochaine. Peut-être Goat Simulator 3. Peut-être les Schtroumpfs Mario Kart, là, je sais pas. Je vais voir un peu ce qu'il y a et je vous tiens au courant. Et en tout cas, encore une belle soirée en perspective, quoi qu'il arrive. Et ben, bravo les amis, merci d'avoir suivi ce stream. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dès mercredi sur Game One et jeudi en stream, comme d'habitude. Et à Reims, pour tous ceux qui viennent ce week-end, notamment l'ami El Florisso qui a promis de venir en vélo. J'ai hâte de voir le résultat. Tu seras bien accueilli à ton arrivée, je te rassure. Voilà les amis, donc bah, gros bisous à tous, bisous à ceux que je vois à Reims, ce sera en vrai, dès ce week-end, donc ça va être cool. Je transmets les messages d'anniversaire à ma petite femme, c'est promis les amis, c'est cool. Et voilà, merci à mon dindin qui a veillé sur nous ce soir encore. Merci au Timersan qui a pas pu être là, mais qui était là de tout cœur avec nous. Merci à mon Snakehead qui met tout ça en ligne une fois que c'est fini. Bref, mes mignons qui sont toujours là pour me filer un coup de main. C'est vraiment cool. On va peut-être aller voir qui c'est qu'on a en ligne. Si vous voulez pas vous coucher tout de suite, on va voir si on peut faire un raid chez les gens sympas. C'est pas ça qui manque. Donc, je vais regarder qui est... Il est en ligne, on a toujours Antoine Daniel, on est allé voir Antoine Daniel la dernière fois. Oh Léon, j'ai du mal à voir. Ah, le Sifano qui fait du Minecraft, tiens. Ça peut être sympa. Nos amis de Recallbox, tiens. On m'a filé une Recallbox aujourd'hui, justement. Vos pires passages de la 2D à la 3D. Ça peut être sympa aussi. Ça discutait le stream. Il y a Tarsa qui fait du jeu de société, c'est pas mal aussi. XO Trixie qui est toujours dans GTA 5. Mon Mike qui fait du Call of. Le Nemco Show qui n'a que deux spectateurs. Il joue Sonic avec sa sœur. Faut qu'on y aille, c'est pas possible qu'il n'ait que deux spectateurs, c'est injuste. C'est injuste. Allez, on va chez Nemco Show, mon dada. Il est tout seul avec sa sœur. Ils ont deux spectateurs, donc ils sont quatre en tout. Je me propose qu'on aille en renfort leur faire un petit bisou vite fait. Et puis voilà. Donc allez, on va aller faire un petit raid sur le Nemco Show. Les petits amis, bah, bonne soirée, bonne nuit. Merci d'avoir été là une fois de plus. Bonne nuit à tous. Bonne nuit mon Fessegger, bonne nuit JR, bonne nuit Alex Kawaii, mon Genshi Tony. Gros bisous, on se voit ce week-end, ça c'est cool. Bonne nuit Penny Elfman, gros bisous aussi. Bonne nuit Makira, bonne nuit à mon New Dindax, et merci encore
Bonne nuit à mon petit Florusso et son vélo Torjoul. Master Tolo, merci à tous ceux que j'ai découverts ce soir. Il y avait des super pseudos, Lenny Bar notamment. Bonne nuit Citizen Sai, bonne nuit Holy Gaming, bonne nuit Eurixis, tous ceux que j'ai vu à la Paris Games Week. Thierry Lafronde, t'as vu, j'ai fait honneur à Lafronde. J'ai fait ce que j'ai pu. Mon Mixelda, bien sûr, mon éternel Vlacero. Tritritron, le Zenkai, ou la Zenkai, je ne sais pas, tiens d'ailleurs. Imatna, j'arrive pas à prononcer, mais le cœur y est. Le Seb Meister à la Pixel 69. Dark Citrouille. Undertaker the Phenom. Oui, c'est vrai, tous ces pseudos, c'est dingue. Bonne nuit, Sullivan. Bonne nuit, Cochon à Plume. Bonne nuit, Radio Plombier. Oh là là, tous les chouchous sont là. Bonne nuit, SSX, Xeus, Gamer Digital, mon Antoine. Bonne nuit à tous, les amis. Amusez-vous bien. J'envoie la petite musique de Tom. Ensuite, on va aller en renfort chez Nem Cocho. Leur faire un petit bisou. Merci d'avoir été là. Mercredi prochain chez Game One. Jeudi prochain, ici même, à la maison. Merci d'avoir été là ce soir. Bisous les amis, ciao. Salut les petits amis, salut, du 21e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule, collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur, mais son vrai nom c'est Marc, le boulet du gamer. C'est le Marcus, Marcus, The Person Last of Us, qui danse la Chewbacca entre deux balles bitales. C'est le Marcus, Marcus, The Person Last of Us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Level 1, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche. Qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, avec une tête de clown et les moyens du bord. De ta vieille Super NES au dernier Mario Kart, il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. C'est des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, The First and Last of Us, lui dont le plus éclair, tous les zinzins du software. Oui, le Marcus, Marcus, The First and Last of Us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. Marcus, the first and last c'est of us. L'Atari et on danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us. Ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus, the first and last of us. 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 Marcus, Marcus. Ah bon, c'est fini. Salut les petits amis, salut, du 21e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de...